Waouh. C'est joli, hein? Oui, c'est joli comme endroit. J'ai voulu m'arrêter parce que j'ai trouvé ça vraiment Ouais. très très, très sympa. Ouais, c'est cool. Vas-y. Allez, on reprend la route. On Ça reprend la route. marche. Ouais. Mais avec Merci. plaisir. Hop. Vas-y, let's go. Vas-y, à ton rythme, tranquille. Donc, juste 30 secondes à mon tour, je vais noter un truc sur l'intranet. Oui, ça marche. Désolée. Je suis désolée. Alors, de temps en temps, vers minuit 30, je ne sais pas s'il y a un reboot de je sais pas quoi, mais ma 4G s'arrête d'un coup. Ma 4G s'arrête d'un coup. Donc, je comprends pas trop. Et elle reprend. Voilà. Je comprends toujours pas. Mais donc je suis désolée pour cette petite coupure d'internet. Attends Zeno, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi l'event sur 21? Dis-moi Zeno. C'est quoi l'event sur 21 où je vais pleurer parce que je vais pas avoir le temps de regarder. Déjà, j'ai regardé un petit peu Draco tout à l'heure. Ça me fait quelque chose qu'il soit retourné à la villa. Ça me fait plaisir en vrai. Ça donne un petit goût de. Allez, c'est bon, on repart sur des bonnes bases. Tout va bien? Oui, ça va, ça va, ça va. Ni nickel. J'ai voulu juste marquer le truc là sur l'intranet pour qu'on n'oublie pas. Ok? Vas-y, vas-y, c'est très bien. Eh ben nickel. On va aller à l'hôpital directement? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. T'as Donc, prévenu Marissa? j'ai un doute maintenant. Je vais regarder. Je crois que tu l'as fait avant de partir, mais je préfère demander. Oui. C'est bon. Je lui dis. Marissa, on passe d'abord à l'hôpital rapidement. Alors, nous en étions à discuter directement sur le fait de ta journée. Tu me donnais Oui. tes points marquants et tes points plus durs, voilà. A dit comme ça, c'est terrible. Pourquoi? Non, non, je sais pas. Oui, mais c'est mon côté journalistique d'aujourd'hui qui sort. Ouais. Oui. Ça me fait chier parce que j'ai peut-être déclenché un peu d'embrouille entre Mathias et Vicky. Ah merde, tu En me racontes hein, gros, qu'est-ce. Ouais. Vicky, Mathias prend beaucoup de place, hein, tu te doutes bien, c'est Mathias. Il a toujours été comme ça et ça changera pas. Ah ben s'il est le gouverneur, oui, il faudrait aussi. Et en gros, bah, il prend beaucoup de responsabilités et Vicky estime que il me donne pas ma place de copatronne. Sauf que moi, j'en ai rien à foutre. Vicky, elle sait pas que j'ai pas d'ego, que j'en ai rien à foutre et que si je. Si Tam me dit, bah, en fait, je vois que tu galères, je préfère te laisser juste des RH ou juste cadre et basta, et ben, au contraire, je serais heureuse qu'elle m'en parle et puis j'accepterai. Tu vois ce que je veux dire? Mais carrément. Je l'ai pas demandé ce poste de copatronne. Je le fais parce que je veux aider Tam et que je suis fière de tout ça. Mais je le dis à Vicky, tu vois. Mais je lui fais, par contre, Vicky, tu as raison. Mathias est à fond, trop à fond, comme moi. Et il a tellement les yeux dans le guidon que bah, il faut que je le calme et que je le canalise. Parce que je vois bien qu'il est un peu au taquet. Tu vois, Mathias, quoi. Et ben, je l'ai fait. Et du coup, on s'est un peu parlé dans l'après-midi et tout ça. Mais je voyais bien qu'il s'inquiétait pour moi, qu'il s'inquiétait de ce que je ressentais moi. Mais j'avais beau lui expliquer que tout allait bien. Bah non, non, elle. Voilà. J'ai eu le malheur d'en parler à Tamara. Je suis honnête avec elle. Je lui ai dit, bah Bah voilà, oui, il est quand même grave, oui. Vicky, je pense Je pense qu'elle que tu comprends s'inquiète trop pour que moi, que Mathias prend Mathias trop de prend trop de place. place, qu'elle n'a pas compris la place de Mathias à la direction, et que Ouais. pour elle, la direction, c'était moi et Tam. Et qu'elle n'a pas D'accord. compris de. Voilà, donc j'avais beau lui expliquer. Donc Tam, elle me dit, eh ben je vais prendre Vicky et je vais lui parler parce que Vicky est une cadre. Elle n'est pas directrice. C'est moi là, c'est voilà, c'est et je m'en suis voulu Bah, parce en fait, je que comprends. Pardon, termine, pardon. ouais, je m'en suis voulu parce que je suis en mode merde, je veux pas créer de problème ou quoi que ce soit, tu vois. Enfin bref.
Voilà, Alors. mais c'est pas très grave, je sais que ça va se régler, je pense que Vicky est très intelligente et on va pouvoir en discuter calmement. Et voilà, ça ira, ça ira, ça ira. Sinon, j'ai géré plein de trucs, j'ai fait plein de trucs sur l'intra du boulot, tout le monde avait l'air content de ce que j'ai fait, donc ça m'a fait plaisir. J'ai bossé avec tes frères, vraiment, Ça va, ça s'est bien passé avec eux? bien sûr, je les Tu adore. t'entends bien avec eux au travail? C'est Oui. important, je pense. Ouais. Ils sont Pierre, gentils avec toi en vrai ou ils pas? sont La très vérité, gentils. hein? Je t'assure Ouais. qu'ils sont gentils avec moi. Bon. Et Pierre aime beaucoup blaguer. Et Jim est très gentil. C'est du bien, ouais. Et tout va bien. J'aimerais bien avoir Lévi avec nous aussi. Ça me ferait plaisir. Mais voilà. Et il y On en y a va? qui attend votre truc, c'est Richard, le prospect. On n'a jamais eu d'infos. Richard? Il est passé tout à l'heure, hein, Ah! Oui, en c'est fait, il bizarre. s'est fait envoyer peut-être en disant bah, on recrute qu'à partir de lundi. Et en Oui. fait, il a entendu que vous aviez recruté deux personnes Bah aujourd'hui. oui, Et oui, oui. En du coup, il a fait. dit mais je comprends pas pourquoi on m'a mis. Oui, on Et est on lui a d'accord. dit bah, c'est parce que tu as un casque de couille Oh, en métal sur la tête. On lui a super. dit. Oh non, il est Mais bon, c'est le terrible. prospect. Bon, allez, viens. Non, non. En fait, il y a eu différentes problématiques qui sont passées, sûrement entre le moment où il est passé et le moment d'après, et ils ont pas dû choper son numéro. Donc Ouais, pas c'est de souci. mea culpa. J'étais pas là, mais mea culpa. Vraiment, Bon tu bah. nous excuseras auprès de lui et il y aura toujours une place dans les prochains jours, ok? Ouais, pour Lévi, c'est hyper important, il dit tiens, Ah non, bon mais pardon. Lévi, c'est dès qu'il démarre. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonjour. Oh, vous êtes blessé là? Ah oui. Ah, la canne. Il n'y a plus Ah ouais. personne. Ah, ils vont voir, c'est des médecins, bougez pas. Bon, non, ben, moi je viens de sonner. J'ai sonné il y a 3 minutes là. Ok. Ah ouais. Il devrait pas tarder à Oui, arriver, je j'espère. pense. Je pense, je pense. Ouais. Mais écoutez, courage monsieur. Ah, tranquille. Ouais. Attention, il va passer avant nous. Oui. Hein. Oui. Il vient plutôt par là? Voilà. Dis-moi. Parce que j'ai une grosse voix. Mais t'as qu'à juste. Oui, c'est je sais, mais quand bien même. Ok. Ça, c'est comme ça que ça. Voilà, là, je suis. Oui, parce que j'ai Voilà. entendu tout à l'heure. Oui, je sais, ben, je t'ai entendu me gueuler dessus. J'ai juste entendu des brides. J'ai entendu H, L, voilà. Oui, mais il faudrait qu'on en parle. Il y a deux, trois petites conversations importantes qui se sont. Ben, j'en avais qu'une ce soir, hein, et ouais, ça s'en est passé à trois. C'est-à-dire De que c'est quoi? des trucs importants que je dois te dire. Oui. Il n'y a pas de quoi, c'est juste une conversation. On peut Ok. converser. Oui, on peut converser. Tout à l'heure, je t'ai écouté, Oui, je c'est veux important. savoir, Zeno. Mais je vais donner tout mon avis, parce que ça. Enfin, sauf si tu le veux pas, hein, par rapport à ce que tu as vécu avec Mathias et Vicky. Alors, premièrement, tu es toujours attentif aux détails, mais je trouve que c'est bien d'être honnête. C'est-à-dire que, ok, en fait, ça vaut mieux. Imagine comment ça aurait été si tu n'avais pas traité le truc. Elle pense toujours que le mec il fait n'importe quoi, et que nanana, et Et jusqu'au ça, jour je où ça a sais, j'ai complété vu sur fort, le tu vois. Là, ce live que de tu as fait, Draco. c'est que tu as pris un truc qui l'a dérangé, tu l'as parlé à la patronne, qui elle a statué, et qui lui a dit comment c'était. Et comme ça, bah, dès le jour 2, bah, le problème est résolu. Ok. Oui, c'est les gens sont tout, c'est plutôt bien. Ok. Voilà l'avis que je voulais te en manière un Oh, peu factuelle. c'est à peu près l'idée que j'ai de mon poste, à vrai dire. Essayer de régler les problèmes le plus rapidement possible, de façon la plus saine possible. Mais c'est Et juste c'est que ta là, je m'y qualité attendais pas. primaire. Et c'est ta qualité primaire. Et ça, et le, en fait, ce que juste tu dois imaginer, c'est Mais que depuis l'ouverture, ça peut arriver à non, n'importe quel moment. je suis trop contente qu'ils aient Dès le repris recrutement, dès le le management, dès le 58, mais virer genre quelqu'un, tellement. et tu peux avoir des casse-couilles à tout moment, tu peux avoir des mecs qui veulent partir pour changer de travail alors que voilà, Mais donc Bébou, tu t'inquiète, le Z! tu sauras gérer. On vient Encore le une Z! fois, juste instinct. Oui, Et c'est vrai. instinct, ton instinct il est cool. Et Oui. après, regarde, tu te le mets en doute, et là je te le reformule, et dans ma reformulation, j'ai rien trouvé de choquant. Ok, ça marche. Voilà. T'as vu, j'ai pas fait de redondance aujourd'hui. C'est beau. Putain, parce que je sais que t'aimes pas. Dis-moi. Ça va, toi? Moi, toujours. Carrément. Non, j'ai toujours en tête tous les motards qui viennent à l'hosto, ouais.
Oui, quand je conduisais, j'imaginais ta tête quand t'as le débarquement En des moteurs fait, qui arrivent. Je me suis dit, oh sincèrement, bordel. t'as prévenu Marissa? Je suis désolée, hein. Je te Oui, redemande, mais je. Ok. elle m'a répondu. Alors, pour te rassurer, ça marche, je vous attends dedans. Attends, c'est par contre c'est trop mignon que ils sont venus avec son chéri du coup. Non, mais alors j'ai demandé s'ils étaient comment dire, parents, ils m'ont dit non. J'ai dit, vous êtes amis? Ils m'ont dit oui. Alors après, je suis pas Alors, allé. j'ai compris moi qu'elle nous a dit à Mathias et moi, mon chéri et mon ami vont postuler pour être médecin. Ah bah voilà. Mais moi j'ai pas. Moi j'ai. Après, ils venaient de débarquer à l'aéroport, hein. Ils vont Oui, pas bah oui, arriver. je me doute. Alors sauf s'ils se roulent une galoche, que Des j'aurais pu comprendre, mais alors là, bisous, non. la bonne Alors, nuit, tu as des la bonne réponses pour nuit, mes deux merci questions du d'être coup? venu Ah ouais, à toi. ça y est. Ma conversation avec le boss. Bon. De quoi? Non, je t'en parlerai, ça c'est un truc. J'ai parlé. Je t'expliquerai ça. On va Ok. dire ça, on va décaler à demain. C'est moi qui décale les trucs à demain. Je me reconnais même plus, putain. Ok, c'est vrai qu'il est déjà 1 heure du mat. Alors, tu sais quoi? On On va. va. Hein? Viens, Je allez hop, t'amène. Ouais, hein? ok. Je veux bien que tu m'amènes à une boutique de vêtements. Je vais faire ça très vite, très efficacement. Oui. Mais j'ai besoin de me changer. Je n'aime pas du tout la tenue dans laquelle je suis. Tu vois, je Mmh. Je préférais veux que la tu te sentes tenue. bien. J'ai préféré la tenue de bad girl militaire là. Ça avait de la gueule ça. Va te sentir bien. Tu sais que j'aime quand tu te sens bien. Oui, je sais. Tu sais, t'as un cadre qui est ton travail et que je respecte et j'essaie de te donner ton temps là-dedans. Mais une fois que tu sors là-bas, tu es libre de faire ce que tu veux. Hein. Sans même Ouais, te je sais. changer, hein. On y go direct. Hein. Ouais. Et, et en vrai, alors je sais pas si c'est ce que tu vas faire, mais ton pull vert. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ton pull vert est magnifique et ton cuir encore plus beau. Tu préfères mon cuir à mon pull? En vrai? Ah, moi je t'adore de tout cuir. Tout en cuir? Ah ouais. Bah, on va essayer de trouver ça. Je te trouve incroyablement belle en cuir. Après, encore une fois, c'est pas parce que je te trouve belle en cuir que tu vas te mettre en cuir. Tu fais ce que tu Ah non, veux, mais moi le cuir c'est là où ma tu te vie, sens hein. bien. Et ben pourquoi tu le fais pas, bordel? Putain, Mais c'est parce moche ce que tu que dis. le pull, il était trop mignon! Oui, mais c'est bien, j'aime bien aussi ton pull. Oui. Bonjour madame. Oh, c'est une opération cuir, oui. Alors. Le pull était Oui. sublime. Mais oui, il est. Mais je l'ai beaucoup aimé, je t'ai dit ça dans ma phrase précédemment. Voilà. Après, dans le préféré, je préfère ça. Alors, hop là. Je vais juste regarder comme ça, c'est mieux. Sinon, je suis trop près et je te dérange. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on fait pas ça, non? Qu'est-ce qu'on fait pas? Non, j'ai sorti une batte. Calme-toi. Tes points, c'est bien, tu sais, hein? J'ai pas eu ma dose. Oui, je sais. Allez. Une question très classique et à une situation qui est déjà passée mille et mille fois entre nous. Est-ce que tu as pensé avoir des sous sur toi ou je m'en occupe? Non, j'en ai. J'ai Et ben voilà. 240 balles. Ok. Attends, je vais regarder si j'en ai d'autres, mais bon, celui-là, c'est le premier que je me suis acheté ici, tu Oh, je viens d'avoir un truc, une idée de ouf. Alors, ça sera pour une autre fois. Pas le vois. temps. Et il y a celui-là, du coup, celui que j'ai l'habitude, tu sais, vu qu'on voit un peu mon tatouage en tout, j'aime bien. Oh, j'adore qu'on voit ton tatouage, Ouais, perso. je sais. Je suis très sensible au tatouage. Mais je me doute. J'ai hâte qu'il fasse assez beau pour mettre des hauts, hein, parce que. Par contre, Emilio, tu peux te pousser un petit peu, s'il te plaît. Merci. J'aime bien celui-là aussi. Tu m'entends? Ouais. Il était pas mal, ouais. Ouais, après, c'est pas mon préféré, tu vois, mais c'est une veste en jean, quoi. J'aime bien
J'aime bien quand même la tenue. Mon avis à moi perso, c'est très joli, mais je préfère le cuir. Oui, ça j'avais compris. Oui. Bien joué. J'ai vu des très très jolis cuirs dans un magasin en ligne ce midi. Bah, ça m'a fait mal au cœur. Voilà, je tiens à le dire. Pourquoi? Bah parce que je les ai vus en ligne là, et ils prennent pas pour ici. Il n'y a pas de réassort. Hein. Et donc je suis triste. Voilà, ça j'adore. Pardon. J'ai ma petite idée derrière la tête. Ah ouais? Même une très grosse idée. Alors, tac, 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 Celui-là? tac. Ou celui-là? Attends, oula, oui, oui j'ai l'impression d'avoir eu le choix sur 10 000. Tu veux ouvert ou fermé déjà? Comme les gens disent qu'ils Bah, existent, en ils vrai. existent. En fait, ils existent en ouvert et fermé. C'est pour ça que je te dis ça. Les mêmes. Bah, non. Même. Ah bah en tout cas, je. Non. Non, Non? non. D'accord. Ok. Bah, j'aime bien Mais. celui-là aussi, mais c'est orange, quoi. Ça va pas avec mes cheveux déjà. Même mon petit cœur adore celui-là. Bon, allez. Mais prends ce que t'aimes. Hein. Alors, je me rappelle hein, que tu me disais, t'inquiète, dans 2 minutes, c'est bon. Ah, ça va. Je reprends juste tes propos, Tout de t'inquiète. suite, tout de suite. Sunshine when she is gone, dun, dun, dun. Everywhere you play, saying, and the sunshine when she's gone, Oui, everywhere docteur. they are alone. Anytime she goes away. Je m'épuise à faire l'effort de ne pas me battre depuis 48 heures. Ouais, c'est très dur de tenir. Blanc Et ou gris? on est en route, on est censé avoir un rendez-vous là-bas, oui. On arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah on se dépêche, oui, on arrive, on arrive. Eh ben ça va. Oui. Je fais de mon mieux. Merci, monsieur Coquelin. Oh, j'ai faut que je Ça la faut que je le voie d'ailleurs. va être insupportable. Il est complètement défoncé au tequila. Je devais le Oui. voir, putain, en plus. Oui, bah tu vas pouvoir le voir. Ah bah Après, super. je pense qu'il va être dans un mood assez Mais il festif. est. Eh, lui, il est au taquet, lui! Il fait que ça! Eh, ça va devenir dangereux pour lui, Non, mais qu'est-ce qu'ils ont tous les médecins m'appelaient Je me suis pas battu, monsieur Yaman. hein! Oui, je viens au bar. Ah, t'es aussi au bar? Est-ce que vous savez? Mais oui, j'étais occupé. Mais par contre, j'ai censé avoir un rendez-vous professionnel avec une dame. Ne lui faites pas boire. Oui, parce que. Oui, C'est mais, mort. on buvra. Oui. C'est une future staff. Non, peut-être. Et je vais te glisser un truc dans l'oreille, mais ça reste qu'entre nous trois. Elle m'a dit un truc de ouf qui va t'intéresser. J'ai envie. Et je la connaissais pas. Hein. Elle a dit directement, j'ai envie de rejoindre ton association pour faire une soirée Mister et Mrs. Los Santos. Oh. Voilà. Allez. Je sais que ça va te rendre fou. si, si, si. Ah bah si, je suis avec HP, donc oui. Je vais voir avec elle, mais je te dis, je parle pas pour elle. Ok? Ça marche, je vais lui demander. Je t'en prie. Est-ce que tu es très fatigué? Est-ce que tu es moyennement fatigué?
Je sais qu'on s'est pas vu beaucoup et j'avoue que j'ai pas mis mis ma dose de folie plus plus avec option déviation de soirée bizarre en jeu. C'est parce que là, il y a des gens qui demandent carrément que ça parte en mode concert avec toi qui chantes. Au Ok, tequila là. ça marche. C'est facile, c'est trop facile, c'est trop bien. T'aimes bien ces pantalons-là? J'adore ces pantalons-là, ils sont trop cool. Oh, mais je sais, pardon, le cuir que tu avais dit hyper serré, bah oui, que tu as dit, oh, je les avais pas vus, ça tirait trop bien. Le Rappelle? cuir hyper serré que j'avais Mais vu. oui, hier qu'on a fait des trucs, tu as dit, oh, ce cuir, je ne le savais pas, c'était un cuir extrêmement En serré, haut ou en en bas? bas, le pantalon, pantalon. Oh. Ouais, pantalon, ouais. Celui-là? Mais je crois que c'était ça, hein, non? Oui, c'est Celui-là? ça. Je crois, mais il était noir, non? Non. Ah oh, oui, je crois que c'est ça, bordel. Putain. Mais c'était un peu comme ça, il y avait une forme extrêmement serrée. Oui, ou un truc comme ça, ouais, c'est, tu vois? Un peu dans ce genre. Celui-là, il est rouge sur le côté, non? Va voir? Attends, bouge pas. Ouais, attends. Oui, il y a des bandes rouges type go-go dancer. Prêt pour l'action. Eh ben oui, dis-leur que j'arrive. Ouais, je leur ai dit. Je l'avoue cassé, hein, je te préviens. T'as dit quoi? Non, T'as dit quoi? rien. Qu'est-ce que t'as dit? Que j'ai la voix cassée. Ah, pardon, pardon, pardon. Mais je peux annuler, hein, Non, tu non, non, sais. ça me va, ça me va, ça me va. Oh, j'adore ce pantalon, bordel. Oh, garde-le pour ta soirée. Allez. Faut que tu mettes vraiment les trucs que t'aimes bien. On s'en Attends. fout, Oh merde. on s'en fout. Allez. On le changera après si tu veux. À l'aise, on va faire une soirée détente, on s'en fout bien. Allez, coco. Au revoir, madame. Elle est pas très polie, hein, mais oui, au revoir. Oh, ça va. Elle est partie, t'es partie la tête haute, on aurait dit une diva. Allez. Ça fait penser à la fois où tu t'es vu un artiste, allez Au à concert. une scène déjà vue, ouais, exactement, ouais. Ouais. Ah, La c'était au même star endroit qui. d'ailleurs. Ouais, je sais, c'est pour ça que je t'ai dit ça, hein, déjà vu. Ouais. Alors, bougez pas. T'en as oublié un, je crois, en plus. Encore. Si tu fais... Non, c'est comme ça que je mesure le degré de fatigue, quand même. Hein. Quand tu essaies de faire 4 et que tu n'arrives plus. Ouais. Allez, je sens le truc. Bon, faut se dépêcher. Oh, faut pas que tu boives de l'alcool. Parce que si tu bois de l'alcool, tu pourras pas chanter parce que tu seras trop crevé. Oublie pas. Oui, D'abord, ça, tu chantes et après, oui. tu bois. Le flashback. Oui. Merci. Rien. Oh, c'est vrai que je peux pas aller vite. J'ai fait des promesses au docteur. C'est bien. Je suis fière de toi. Par contre, dans 2 jours, je te défonce la gueule. Oui, j'ai compris. Non, j'ai pas le droit. Ça fait chier. De quoi? Mais si! Ah bon? J'allais dire que c'est moi qui te défonce la gueule de Ah oui, Donjour, bah ça, ouais. oui, ça c'est sûr. On est d'accord, mais. Non, mais tu peux. Si, le contrat, c'est que si jamais je laisse bien agir tous les trucs qu'ils m'ont mis, que je suis en rétablissement et que je force pas, c'est bon Ok. dans 2 jours. Bon, bah tant mieux. Là, c'est le premier et demain, c'est le dernier. Donc, autant te dire que demain minuit, on se met. Mais alors, une de ces tatanes. La mets comme ça, tu peux y aller. Ou tu veux prendre ton temps, comme tu veux. Vamos? Vamos. J'aime bien ce barbe, bordel. J'entends du bruit. Oui! Ouais! Hola, Oh! chicos! Hola, Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah hola, oui, hola, hola, d'accord. hola, 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 Eh oui, si nous sommes tous ici, présente une soirée underground, bordel! Oui, du showman. Oh putain, oui, il vient de l'ambiance, oui. Monsieur, mon tarot. Oui, Monsieur, mon et tarot. Oui, bonsoir. oui. Vous me laissez pas tranquille. Robinson, de quoi? Alors, on va juste vous demander 30 minutes, 30 secondes, parce qu'on doit juste parler à quelqu'un avant de vous être bourré. Alors, 2 minutes, oui. Vous savez quoi, monsieur Montero? Oui.
Elle a un copain qui est australien qui a postulé chez nous. Oui, je suis déjà au courant. Oui. Et puis il y en a un autre célibataire. Doyle, il a bien retenu que son copain il est célibataire. Ah ben, je suis content que vous ayez eu deux postulats, oui. Ah ben, c'est gentil. Ouais. Eh bien, je vous propose de me on vous suivre, on va aller attend. en bas. Allez. Et Un à conseil, tout de allez suite. pas À trop tout près de des suite. enceintes, ça sent le vomi, c'est peut-être moi. D'accord. Ah Ah. ben. Ah là là, mais c'est une calamité là, ça va pas du tout. Allez, j'aime bien cet endroit. Alors, bienvenue au tequila là, c'est un bar très connu de la ville. Hein. Ouais, je vois ça du coup, vu la population qu'il y a. Allez. Ça swing souvent ici. Hein. Et pardonnez-nous de notre retard, mais madame devait se changer et aller à l'hôpital aussi, donc c'était un peu compliqué. Oui, bah super, dis tout de suite, c'est de ma faute. Et C'est de ma faute. elle a insisté pour pas y aller, mais j'ai moi qui lui forçais, donc voilà. De quoi où? Donc c'est À ma faute. l'hôpital? Mais non, mais c'est une blague. Ah oui, Eh d'accord. oui, c'est parce que c'est ma faute toujours. Toujours ma faute. Alors, déjà, comment ça s'est passé ta petite journée là à l'entreprise de la brasserie? Oh, tranquille. Tu peux dire la vérité, hein, parce que même si Bah, la rage qu'elle a en... comme j'ai dit à jouer, je pense que je suis bien tombée là. Oui, bah oui. Ce Je que je suis disais. content. Elle aime les motos, elle aime tout ça. Je pense que ça va. Hein. Alors, il doit y avoir un alignement des étoiles parce que entre nous, moi je suis responsable, mais jamais je vais chercher des camions, ça me saoule. Mais genre d'une force. Et aujourd'hui, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai dit bon, on va aider le patron, on peut faire des tâches ingrates. Et je suis allé dans le sud, et là j'entends trois voix, donc toi, tes deux amis. Voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais les accueillir comme il se doit. Voilà. Alors, on est là, je te remercie, c'est pour parler un petit peu de l'association HME, donc ici présente, que tu connais déjà, qui est ta directrice des ressources humaines. Elle est également vice-présidente de l'association, donc de Los Santos Event. Donc toi, la partie qui t'intéresse, la partie staff, donc organiser des choses pour qu'il y ait une bonne ambiance. Et alors, ce qui est vachement bien, je trouve aussi, c'est comme tu viens d'arriver dans l'île, tu verras que c'est un travail qui va te faire rencontrer plein de gens. Mais intéressant. Tu vas aller voir les entreprises, tu vas aller voir même les patrons, tu vas pouvoir voir tous les gens qui viennent s'organiser pour s'inscrire aux événements, etc. Donc c'est plutôt cool pour, je trouve, en plus connaître du monde. Tu es venu avec une idée, mais c'est encore une fois, moi ma vie, c'est une succession de coïncidences. Alors, je donne ma bonne foi et mon honnêteté. Hier, et j'ai même un témoin, c'est le docteur Yaman, là-haut, est venu me susurrer, Monsieur Botewo, il faudrait faire une petite Mr. et Mrs. Los Santos. Et tu m'as dit la même chose en arrivant sur l'île. Et du coup, moi, si je t'ai déjà un petit peu parlé de l'association, de ce qu'on fait, comment on le fait. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, demain, si je ne m'abuse, je sais plus quelle heure, 20h30. De quoi? 21h, la À réunion 21h30. 21h, c'est 21h. 21h, oui, c'est 21h parce qu'il y a Léon qui pouvait pas 21h30. Regarde, D'accord. Bah non, j'ai pas il a. vu. Ok. Ah oui. Et donc à 21h, il y a la réunion des staffs, des nouveaux staffs, parce qu'on a recruté des personnes comme toi, pour leur expliquer l'organisation de comment ça se passe et se répartir les events. Il y a une liste de l'event qui sont en cours et des gens qui sont chauds parce que t'aimes le truc. Bah, voilà. Typiquement, il y aura proposé demain Mr. et Mrs. Los Santos. Et je visualisais bien que tu puisses t'en occuper si tu en auras envie aussi. Ça fait en binôme, donc avec quelqu'un pour t'aider. Pas de soucis. Et nous, on rémunère 5 000 $ effectivement l'organisation. Et sachant qu'on a des contacts au niveau du gouvernement pour, si tu as des demandes, je donne un exemple, tu as besoin d'une scène, ils viennent t'installer une scène. Si tu as besoin de n'importe quoi, on essaie d'en discuter sur la faisabilité du projet. D'accord? Et ça, on le fait avec à partir d'une intranet et comme ça, on peut faire les choses. D'accord? Ok, ça marche. Est-ce que tu as des petites questions? Là, dans les médias, non, du coup. Est-ce que Ça viendra l'idée. peut-être Oui, sûrement, demain. oui. Est-ce que l'idée te plaît de faire partie de l'équipe avec nous en tant que staff? Ah bah oui, carrément. Hein. Ah ben, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que HME va te envoyer un contrat. Oh, tu veux que je le fasse, HME, ou tu veux? Tu peux, tu peux.
C'est comme tu veux. Ok, je vais t'envoyer un mail. C'est quoi ton nom de famille? Cortés. Eh oui, from Cuba, c'est ça? Sí. Ah, qué rico. Bueno, muy bien. Entonces, ce qu'on va faire, c'est je t'envoie le contrat. Le contrat, c'est un vrai contrat relou, mais je te le simplifie. L'association fera tout ce qu'il faut pour te mettre en tes mains tout ce que tu as besoin pour mener à bien tes actions. Et toi, tu t'engages avec tout ça, de faire le mieux que tu peux. D'accord? D'accord. Voilà, je t'ai fait un beau résumé. Et tout en bas, j'aurai juste besoin de ta signature. Dès lors que tu as fait ça, tu me dis juste que tu as signé. Et je t'enverrai un lien pour l'intranet où tu découvriras toute notre organisation. D'accord? Ok, ça marche. Voilà. Et puis voilà, demain, on pourra t'en parler plus précisément au niveau de l'organisation. Je vais faire ça. Ah, est-ce que tu penses qu'on peut lui dire d'autres choses par rapport à notre fonctionnement ou des choses qui pourraient être intéressantes? Non, je pense qu'on va pouvoir voir ça demain. On va peut-être pas l'inonder d'infos ce soir. Surtout ça, alors sachant que si tu viens du coup demain soir, on va répéter ces informations-là, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est le plus gros idée à la réunion. Voilà, c'est ça. J'attendrai la réunion, au moins. En fait, on va se cantonner juste au contrat et te l'envoyer pour que tu signes, et comme ça... C'est ça, comme ça tu auras l'accès à l'intra et tout, donc ça sera parfait. Et demain, tu auras tout le temps, le plaisir de pouvoir vérifier ton comment on appelle ça, regarder l'intranet calmement, et si tu as des questions, on sera là. Tu veux bien prendre... Oui. De toute façon, il faut que je regarde les deux intranets tranquillement aussi. Oui, alors le note, tu prends le temps aussi t'inquiète. T'as des questions, tu n'hésites pas d'ailleurs. Est-ce que vous êtes échangé vos numéros? Oui, c'est mon employé, donc oui. C'est ma numéro. DRH quand même, donc oui. Alors, note à moi-même, très susceptible. Pas de premier degré. Je te mets dans la case, pas de premier degré. Premier degré. Je crois que c'est une double de moi. Va falloir t'y faire, Mignon. Alors, il n'y a pas de double de toi, mais bon, bref. Alors, du coup, deuxièmement, je voulais te souhaiter la bienvenue. Et si tu veux, alors je ne sais pas si tu es fatigué ou pas, mais là-bas, il y a des grosses zinzins qui veulent faire la fête. Envie de boire un verre, on t'invite avec grand plaisir à boire un verre avec nous. Si tu es fatigué, tu peux rentrer comme tu veux. Moi, je suis pas fatigué, mais j'essaie de voir si les deux autres, parce que je sais qu'eux étaient en train de passer leur permis, du coup. Ah bah, ils peuvent venir après. Oui, c'est ce que j'allais dire. Surtout si c'est leurs équipes. C'est pour ça que j'ai juste envoyé la position, j'ai pas dit potentiellement les futurs collègues. Il y a votre patron, il y a votre chef de service. Il y a tout ce qu'il faut pour être bien vu. Ah là là, c'est terrible. Et moi, j'ai vu, il y avait Mizuki, laisse tomber quoi. Elle m'a reconnue, elle a dit « Ah, c'est la demoiselle qui est venue avec ses deux collègues qui ont postulé dans l'après-midi. » Eh bien, écoutez, on va monter là-haut, ça vous va? Allons-y. Allez-y. Enfin, vas-y. À un moment donné, alors moi, je vais partir du principe qu'on va tous se tutoyer à la brasserie. Tu vas voir, ça va être rapide. Vous pouvez y aller, hein. Je vais essayer de les appeler, parce qu'ils sont pas là. Ouais. Je t'annonce en tant qu'artiste. Super. Ah oui, c'est le concert. Ah oui, d'accord, c'est le concert. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous fais l'honneur et le grand honneur d'avoir amené avec nous une des plus grandes artistes de cette île, avec HP. Rock'n'roll. Mais moi je sais pas du coup. HP. 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 Mais je sais pas du coup, vous voulez quoi? Une chanson. Qu'importe, de la musique. C'est pas qui danse, c'est pas le fait. La musique dans la peau. Moi, je sais qui pas. Qui veut du wom? Moi. Ouais. Des wom des îles? Là, c'est du wom d'ici. Moi, j'en veux bien aussi. C'est wom d'ici. Pas de problème. Oui. Malheureusement, oui, c'est du wom d'ici. Oui. Alors, on va faire une première. Merci. Il faut la demander à la brasserie s'ils ne veulent pas ramener du wom des îles. Il y en a une pour votre chérie. Je lui donnerai après le concert. Oui. Pour information, tu as une bière qui t'attend à garde au frais. Oui. Ça qui marche. Qui veut un verre de WOM? Moi. Oui. Je ne vous ai pas déjà donné? Mais si, mais j'en veux plusieurs. Il y a un problème. Donnez un deuxième verre de WOM. Ouais, bon, j'étais bien le Yaman. Oui. Qui d'autre?
Moi, c'est bon, j'ai des bières. On tourne la bière à la bière. River, la bière à la pub. Attends, je vais faire une. Ouais. H, j'ai envie de te voir en 3D, alors bouge pas. À 3, 2, 1, hop là. Ok, super. Allez, WOM. Vous êtes prêts? Ah oui. Ah oui. Oh, let's go. Okay, okay. Oh putain. Allez. Oh, oui. Là, pour être prêt, je suis prêt là, oh, putain. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crusher, I'm just a shout away from you. And if you live here, you leave me broke and shattered alight. I'm just a crusher, I'm just a shout when we can die. Ooh. I know I won't be living here with you. I say, don't you know? You say, you know. I say, take me out. I say, you don't show. Don't move, time is snow. I say, take me out. C'est incroyable. Ouais. Putain, futur hit. Ouais. Oh oui. Quel talent. Encore. 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 Ah, vous êtes mignon, vous. Mais je sais pas quoi chanter. Est-ce que vous vient pas de la tête? Il y en a, ils ont déjà entendu les titres en plus, c'est terrible. Bah, t'es allez, pas là. T'es pion, ouais. À la limite. Vous savez, on a chanté des chansons fausses depuis tout à l'heure, ça fait du bien d'avoir des bonnes chansons. C'est pas Technium. De quoi? C'est Country Road. To the place I belong. Ah oui, c'est Country Road. Country Road. Ah ouais, ah Country ouais, Road, vous savez faire Country Road? Ça ferait plaisir à notre Texan de chef là-bas. Attends. Ah, oh, exactement. Country Road. Country Road. Technium. Non, je connais pas celle-ci. Par contre, j'en connais une que j'ai faite à mon premier, au premier concert. Je sais pas si vous l'avez. Vous êtes. Oui, oui, la course, la balade à moto. Oui, Jack. Oui. Oui, moi, je vais bien. Oui, oui. Et après, on veut Monsieur Montaro aussi. Oui. Eh ben oui. Alors. J'ai essayé d'appeler les badolos, ils sont pas là pour nous chanter robotique. Eh ben, c'est parti. Hop là. Excusez-moi, ça prend une minute. Ouais, non, t'inquiète pas, de toute façon. On peut essayer pas l'artiste. Prends le temps, tu accordes bien ta guitare. Lolei. Et bientôt l'artiste se produira à nouveau. From a dusty mesa, lemon shadow grows, hidden in the branches of a poison creosote. She tried a spine of slowly throughout the buoyant sun. And when I touch her skin, my figure on will glow. In the house in dust and a slow and silver moon, I came walking with a wine to watch a cactus bloom. A strange old girl helped me. Blooming shadows dance and fell half down to the tiny breath and I felt a trembling hand. When lies light will walk, when the darkens like unfold, mountain cats will come to drag away your bones. When rise with me forever, cross the silent sand, and the stars will be your eyes, and the wine will be my hand. Bravo, oui. Franchement.
Aïe, 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 aïe. Eh ben putain, tout ça à Acapulco, putain. Est-ce que... Alors, est-ce que... on dit jamais 203, mais est-ce que l'artiste sent faire une troisième ou pas? Alors, vous connaissez les Black Keys? Oui. Ouais. On va dire oui. Vous connaissez oui. pas. Ah, c'est terrible. C'est pas moi, mais c'est un fou. Oh, ok, c'est ok. Le... C'est ceux qui sont en paix. Mm-hmm. Allez. Les Black Eyed Peas. Non, mais pas les Black Eyed Peas. Oui, mais c'était une blague. Oui, oui. Parce que les Black Eyed Peas, du coup, je suis premier degré, ok, Emilio. Oui, je sais, je sais. Dédicace, bordel. Dédicace. Oui. Allez, c'est parti. Oh, bordel. Little Black Submarine, don't be around, don't please. Put me back on the line. Oh my God, I'll be back on the round, oh please. It is raking my mind. Oh, can it be the voice is calling me? They get lost and out of time. I shouldn't seen it go, but everybody knows that the broken heart is blind. That's a broken heart. He's blind. Pick your heart and let you down. When I wanna go to a place I can hide. You know me, I glance, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? Voice is calling me, very lost and out of time. Shouldn't seem glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Super! Bravo, bravo! Merci! C'était trop bien! Eh ouais, incroyable. Bah, merci à vous. Super. Vous avez vu, ça m'a battu les deux bords. Est-ce que tu veux boire un petit peu pour... Oui. Allez. Vous avez vu comme elle chante bien, madame? Faut la féliciter, là. Tu préfères la bière aux pommes ou bière normale? Tu poses vraiment la question? Incroyable. Bière aux pommes. Du coup. Merci. Il y en a encore si vous voulez, hein. Oui, merci. Oui. Cherchez un woman. Après, je suis en UTT, je suis pas censé boire. Mais faut pas le dire, faut pas le dire au médecin. Bah non, y a pas de médecin. Y a pas de médecin ici. Hein ici. Ok. Des bourrés, faut pas dire au médecin. J'ai bu alors que je suis en UTT. Y avait pas de médecin aussi. J'ai sonné. Y avait pas de médecin. Si vous prenez pas de médicaments, il y a temps, pas de médecin. Bon. Y a que ça dans la salle. Oui, bon, bah y avait pas de médecin là où je suis allé. C'est normal. Ils étaient où ces médecins? Terrible. Voilà, et tant d'abé là. Appelez-moi le directeur. Alors, tout est de moi. Ou le co-directeur, directeur adjoint. Je peux vous offrir un verre à boire? Bon, oui, après, j'ai pas vu ce qu'il y avait. Donc... Venez avec moi. Alors, d'abord, il faut rechercher une banque, je pense. Je vais peut-être vous laisser. J'ai de la bière si tu veux déjà. Ah, oui. J'ai du rhum si quelqu'un y veut. Je vois pas ça. Je prends ou de la bière? Je pense que je vais faire pareil. Un petit rhum, t'as besoin de la tequila. Alors, le monsieur derrière vous, alors. Je commence par apprendre à danser, puis ça finit la soirée ensemble. Super. Ah non, pas encore. Voilà, madame. Conclin, depuis tout à l'heure, t'as battu. La chanteuse avait un rhum. Non, c'est bon, merci. Ça vous suit, vous voulez. On commence par lui apprendre à danser, et après, on finit la soirée ensemble. Bien joué, bonne technique, Doyle. Bonne technique. Bonne soirée. Oui. Alors, on est à terre là. Je cherche un peu de chaleur avec dans mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit. C'est beaucoup plus joli que quand moi je suis. Les démons de mes nuits. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Les démons de l'ennui. Après, c'est moi la petite faible. J'aime cette vie. Un talent aigu, il se balance. Oh, t'es faible.
le machin, tout ça, tout ça. Du coup, Mais ça lui a dit, il faut pas parler trop vite, le terme ça prend vite. Pour être écouté toute la nuit, Atmé, vraiment. Ah, non, la dernière fois, combien de fois j'ai chanté peut-être pendant une heure. Je veux pas dormir. Merci. Ah bah tu m'étonnes. Ah mais c'est une petite private truc, tu vois, après tu vois quand c'est des grosses soirées, tu vas kiffer. Mais ouais, chanson à la demande. Pas du tout. Enfin, à la limite que je connais quoi. C'est trop bien. À la limite que je connais. C'est même, je dirais plus, c'est trop bien. C'est trop bien. Danaki le Marley. Bah moi et mon compagnon. Danaki le Marley, vous connaissez? On est tous les trois aimés la moto. Hein. Je connais Bob. C'est trop bien. Alors, Aguia, de tes pas. Eh ben, il savait quoi. Moi, je crois que ça me parle et il me semble que. Je sais pas, c'était peut-être en rêve. Je crois que je suis allé voir en concert. Mais je suis pas sûr. Je suis né dans une famille modeste. L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs. Ah ouais, péter les mêmes. Vous connaissez? Ah non, par contre, j'en connais une. Peut-être que tu la connais. Oui. Embrasse-moi par-dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel, j'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire autour pour te voir partir, et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main et que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi, laisse-moi tranquille à la fois, mille fois entrelaçons-nous. Et là, son nom, même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop de l'amour tire son charme. Papillon de fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Tu es beaucoup trop dolly, hein. Ah oui. On est d'accord que ça chante mieux que nous. Oui. Et sans faute. Hein. Oui. Soit c'est notre jukebox. Oui. Jukebox. Ça, c'est quoi? C'est des vieilles chansons, ça. Ah oui, ça, oui. Ah, vous savez, on n'est pas tout jeune. Non, mais pas de souci. Hein. J'en connais des vieilles chansons. Hein, mais... qui s'appelle le KSN. Korean Soup Noodle. Ah là. Ah oui, vous parlez de Kimchi et compagnie. Korean Noodle Soup. Ouais, putain, ils sont tous. La petite de Weasel News aussi. Mais, oui. Mais bon, la dernière fois que j'ai fait un concert comme ça qui s'est fini très tard, j'avais plus de voix. Étonnant. Ouais, je crois que je me souviens. Ouais, hein. Les gens me disaient, tu sais faire Queen. Tu sais faire Amy Winehouse. Tu sais faire ça. Et moi, j'étais en mode. D'un autre côté, Queen, quand même. C'était cool. Hein. Oh, il y en a une de Queen que je voulais chanter l'autre jour, mais que j'ai pas chanté, c'est Somebody to Love. C'est Queen. Someone, non, c'est pas... Ça va bien. Ça va. Il y a plus de danseurs. Ah, si, c'est ça. Non, mais tu vas bien ou pas? Ouais, la vache. Waouh. L'alcool de ta année, t'es dit, pareil. Ne fais pas le saut comme ça, là. Oui. Elle a dû se casser le truc, là. Ça va, attends, on va regarder si ça va. Tu vois, des femmes et de la bien au Dieu. C'est pas mal. Attends, à cause de tout que tu bois, que t'as pas mal. Ouais. Ça fait comme hier, putain, tu vas avoir la tête qui tombe trop de force ce matin. On pas aller te conduire après, Conklin. Tu sais conduire, hein. Voyeur. Ah ouais, tu sais, tout c'est de s'en souvenir. Mais peut-être pas avec autant d'alcool dans le temps. Attrape-moi, c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Vous avez une famille de cascadeurs au Tampton. Alors, on me dit d'un côté de ne pas me battre, mais quand je vous vois en service, j'ai envie de me dire, ça ressemble c'est clair. À moi. Ça ressemble à beaucoup de choses. Franchement, t'as vu Emilio, t'as vu comment... Tu es démoralisateur ou pas, H?
Non mais de ouf. Tout le temps vous nous dites oui, ça suffit, on en a marre de vous voir tous les deux. Il y a plus de mon tarot, je prends note. Est-ce que je suis blessé? Hein? Je meurs le dos, le numéro. Genre nous, nous on a pas le droit de se battre, mais par contre vous, vous faites n'importe quoi. Numéro de votre maillot. Numéro 9. Hop, carton jaune. Je suis pas blessé. Allez. Oula. Mais non. Super. Mais là, là vous posez quelque chose. Moi, là il est blessé là. Là, il faut appeler les médecins là. Mais vous êtes des tarés en fait, les médecins c'est les plus grands masos de la terre en fait, c'est pas nous les masos. Emilio, c'est pas nous les masos hein, c'est pas nous. Mais non, c'est eux, c'est des malades. C'est eux. Mais c'est quoi ces masos? Mais vous êtes des malades. Incroyable. Tu t'es jeté par terre pour rien. On en parle de moralisation ou pas? Putain, ne te bats pas Emilio pendant 48 heures. Attention à toi les patates, la figure. Et ça va pas du tout hein. Ça va pas. Ah oui. Oui. C'est moi qui vous fais la morale et moi j'y vais bien. Oui, mais lui non, regarde. C'est terrible. Regarde ce billet. Mais est-ce qu'il vous a fait la morale? J'ai mal aux couilles. Non, c'est vrai. Ah, ouais, mais ne pas faire de palpation. J'ai très mal aux couilles là. Qui c'est qui veut le masser? Alors, monsieur. C'est le chef. Je vais rester un petit peu comme ça là. Le chef, il est fort pour ses petits. Tu veux pas masser? Ah, ça chauffe là. Ça chauffe. Ah là là, mais c'est terrible ici. Oh là là, j'étais à deux doigts de balancer à bagarre générale hein, quand même. Hein. Ouais. Marissa, elle est partie. Attends, c'est. Ah oui. Attends, je vais aller voir. Daniel, on va faire la rencontre. Putain, j'ai fait faire. Non mais c'est la honte, hein, vos internes qui vont vous voir comme ça. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. En plus, je voulais prendre rendez-vous avec toi. Bah voilà, super, on se retrouve là. Ouais, ça chauffe fort. Putain. Comment ça? Bah non, bah du coup j'en parle pas. Ah, d'accord. T'es professionnel. Ça me donne l'objet. Elle est là, elle est là. J'avais pas vu que tu m'avais demandé Ghost. Excuse-moi. Tu as dit quoi? J'avais pas vu que tu m'avais demandé de chanter du Ghost. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Du coup, mais je me suis trouvé de la pluie. Est-ce qu'on peut dire du coup que vous avez réussi? On dirait une garderie. Ah, mais c'est pire qu'une garderie. Comme Daniel là. Je vis ma vie. Tu sais quoi? Je vais monter là-haut. Je vais essayer de respirer. On verra bien ce que ça donne. Comme toi, ah ouais. J'aime la flamme. Oh, non mais c'est, genre, je crois que c'est pour ça que j'ai pas monté là-haut, j'ai un petit peu trop peur de tomber. L'exil. Comment ça va pour aider Arrive vite. Je sens que j'ai les couilles gonflées là. Ah oui, bah super. Que quelqu'un l'aide, hein, s'il vous plaît, les gars, parce que ça a l'air d'être compliqué pour lui là. Je suis là. Attends, un peu de chale là-dab. J'ai oublié les web et l'énergie. Tu chantes quoi? Et le plaisir aussi. L'envie d'avoir envie. Ah, c'est super. Ouais. C'est toi qui chante. Pas comme ça te désherbe. Et tu chantes bien aussi. Je suis pas sûr. Bah si. Encore moins dans cet état. Après ça, l'état. Et le plaisir aussi. Elle est têtue, hein. À la queue. Elle est indécise. Tout le monde s'éclate. Ouais. Les boules par terre. Ah oui, d'accord. Ah non, mais. Ouais. À la queue, j'ai failli faire un grand écart. À la queue, oui. Voilà, on met les bières bien fraîches. Hop. Oui. Et détendez-vous. Oui. Détendez-vous. Belle fois. Ah, qui c'est qui veut un petit wham? Oui. Wouah! Ah, super. Merci, Barbara. On va demander au fabricant de ramener des wombs. Bah la dame, elle a du temps sur le titre, de ne pas savoir tout qu'elle a fait. Ah oui, d'accord, super. Belle ambiance. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il a mal aux couilles. J'ai presque fait au grand écart. Oui. C'est vous voyez, malgré l'âge, vous êtes encore souple. Santiano. Mais arrête de mettre des musiques dans la tête, là. Je vais les avoir toutes dans la tête. C'est affreux. Mais très doué pour toi. Tu sais, Yaman, tu sais que ça peut partir en vrille très vite avec cette chanson. Non. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Ouais, je suis à deux doigts. Et je suis à deux doigts de boîte au web d'usine. Marthe, tiens bon la barre et tiens bon le vent. Iseo, Santiano. J'ai envie de me dire qu'elle chante. Mais non, chante avec moi. Pardon, il n'y a pas de musique. Nous y voyons, c'est pas ça. Ah, c'est bon, la vague est à bon. Le vent, on chante trop.
On peut baisser. Hein. Non, bien sûr que non. Continuez. Faites comme si on n'était pas là. Je pars pour de loin, moi, les chaleurs, ma gros Iseo. C'est bon. Tiano. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est le jeu. J'avais le cœur. Est-ce que j'ai chanté du Johnny? J'ai chanté Santiano? Ça fait boire du bière quand on picole. Les yeux des gens qui se gardent comme ça. Ils viennent. Eh, c'est qui là? Ouais, c'est vous ou moi? Moi, ça va pas, mais j'ai l'air bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais. J'ai des témoins! J'ai passé ma journée dans le noir. Mais j'ai des seins, j'ai des seins, j'en suis sûr, il se fout de moi. Merci Yasmine, parce que mon tarot. Attends, vas-y. Tu fais la partie Mel, tu fais la partie. J'ai pas tombé, moi. Ah ouais. C'est qui Mel déjà? Bah, Yams. Ouais, d'accord. Attends. En fait, pas, j'ai déjà tapé la bielle là. Ouais. Comment c'est la chanson? Comment elle s'appelle déjà? Confession. Confession nocturne. Oh putain, une petite bière pour moi. Allez hop hop. En fait, je peux pas faire la partie de Mel, tu vois. Une petite bière pour moi. Vous connaissez attendez, on fait un feat. De quoi? Je connais quoi? Credence Clearwater. Non. Ah moi je connais. Ah je connais. C'est quoi l'air? C'est un truc de rock. Non mais donnez-moi l'air. Highway to Hell. Mais non, c'est pas ça. Attendez. Je t'ai relevé. Tout. Ouais, je m'en fous. Mais j'en connais une. Duo, ouais. T'as bien chanté avec elle sur San Francisco. On allait faire un duo là. Ah oui, il faut qu'on le fasse le duo. La chanson c'était ça, non? Ouais, j'attends. Ah oui, parti en premier. Ok. Ça venait d'où, Samsuki? Ok. T'es prêt? Mais Zuki, tu veux pas chanter aussi? Non, ça va pas ou quoi? Le T'es prêt? Oui, le bébou. Ok. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mel, je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais Viawette, tu sais, ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, vie c'est une wène et je pourrais courir pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assume, dit ouais. Ouais, ton mec est puits, te trompe pas, j'en suis sûr. Non, mais tu sais pas, toi, ça fait deux mois que je sens son odeur. Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. Mais je l'enfiltrerai son répondeur. Mon mec se tape une autre femme. Ouais. Après, moi, je peux plus rien faire. Ah, oui, d'accord. Facile. Ah ouais, ah merde, ça c'est dur. Il te tape une baffe et t'es comme ça. Elle s'appelle Andy, fille de la nuit, mec. La mec, il vient se saigner. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. C'est ça? Et je suis sûre que là tout de suite, il est avec elle. J'ai même l'adresse de l'hôtel. J'étais à côté de la plage où ton mec était intact, moi. Pas de trucs bizarres, pas de plantes, pas de pétasses, moi. Je croyais que ton mec était à Pâques, il partait de mariage et à Pâques. Pour ton sac et la douce de l'encart, vas-y, viens, on va aller voir. Je crois pas. Tu sais, j'ai peur, moi. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Ok, what's this quoi? Donne-moi un clic, la bombe à crémogène. Vite, donne-moi la clé, le brassard plaque de la way, sa BM, que je la saigne, sa BM, que la web, si tu savais comme je la haine. Je le crois pas. Je peux pas, tu sais, j'ai peur, moi. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Et voilà, c'était tout pour nous. Oui, ah, ça va être trop long, hein. Hey, Yaman et HB, nickel, putain. J'ai déchiré. Bravo. Oui, je pense que j'ai déchiré le couplet de HB, oui. Non. Très beau duo. Et du coup, j'ai une autre musique dans la tête qui me trotte en tête quand t'as chanté ça. Ouais, c'est quoi? C'est une musique originale de Céline Dion et France Gall quand même. Hein, ah oui, d'accord. À noter, hein.
du coup. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton beau vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme, like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme, like you. Hey, hey, donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton corps, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bye boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey, hey. Quand tu chantes, après je me souviens plus. J'oublie. Nanana, ça va être comme ça, non? Nanana. Aide-moi. Je sais plus. Non, je sais plus. Je connais que le refrain en fait. C'est du coup, ça m'a donné encore une idée. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Faut que ça se lame, ne te sois pas. Faut que tu bouges et que tu danses. Si c'est ça, faut que tu déhanches. Quoi que tu dises, c'est sur ton homme. Quoi que tu fasses, faut que tu restes en forme. Si tu veux, bouge contre moi. Si ce n'est pas toi, ce sera moi. Ma baby, danse pour moi. Amène-moi où tu vas. Non, vous n'avez pas ça. Ah, si, si, moi je la connais. C'est pas mal, moi je connais. Ouais. Ouais, c'est nickel. À m'accueillir les nouveaux. C'est chaud, ouais. Ouais, c'est chaud. Vous voyez, j'écoutais pas que du reggae. Eh, hey, ouais, soyez les bienvenus là. Comment allez-vous? Putain, c'est chaud. Ouais, c'est pas mal. Un sur deux. Oh, c'est putain, j'ai chaud le point de. Léa. C'est l'autre. D'accord, bon, ça va. Enfin, j'ai même eu un problème de voiture, moi, donc en vrai. Ah oui. C'est celui qui a postulé, lui, non? Ah oui, j'ai deux qui vont arriver, oui. Ouais, c'est le mari. Super. Bah nickel. Bah, ils vont être bien, ils vont voir leurs collègues dans un état incroyable. Eh, vous en prie. Ah bah vous êtes au taquet. Soyez les bienvenus au SMS, je suis le directeur adjoint. Terrible. Bien entendu, toutes les vies reposent sur nos épaules qui actuellement ne sont absolument pas solides. Emilio Montero. Ah là là là. Por supuesto, claro. Sí, claro. ¿Cómo te olvidaste de mí, carajo? Eh si. Attendez, patron, il a l'air fragile, le premier. Attendez, je vous ai envoyé un mail. Ouais. Regardez. Oui. Pas si vous connaissez tous les coups. Non, mais je veux bien que vous me disiez exactement ce que c'est. Là, il y a même des fois le directeur adjoint. Il y a le docteur Yaman, mais je ne sais pas où il est. Il est parti dehors. Il est parti prendre l'air. Voilà, il y a Garcia que je vous connais. Je n'ai pas accès au lien. Oh, il m'a appelé Garcia. Ah, t'es Lota. Oh putain, c'est dur celle-là. C'est pas Garcia. Non, t'es pas Garcia. Garcia. Non, je sais pas, je ne les connais pas tous. C'est Lota. Garcia. Mais je suis pas roux et je suis pas frisé, bordel de merde. Mais c'est la même. Ah oui, mais c'est le nom, putain. Oui, mais c'est Lota. Lota. Facile, pourtant. Tiens, j'ai peut-être des frisouillettes ou quoi? Alors, c'est là où vous pouvez y aller quand vous voulez. De quoi? Alors là, je me rapproche parce que j'aime beaucoup, oui. J'aime bien Garcia, mais j'ai même mis ici au cas où que ça parte. D'accord, claro. De quoi, cette chanson-là? De alto cerro voy para Magani, que un acuerdo voy para Magani. De alto cerro voy para Magani, y con acuerdo voy para Magani. El cariño que te tengo, el cariño que te tengo, no es tu puedo negar. Se me sale la babida, yo no lo puedo evitar. Tu vois, je connais pas la chanson. Oui, c'est Chan Chan. Mais je connais pas les paroles. Je connais vraiment pas les paroles. Mais t'as le bon ton, hein. Dis donc, c'est magnifique. Oh la vache. Ah oui, non. Bravo. J'ai longtemps parcouru son corps et fleuri cent fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles. Je peux te la faire à la guitare, celle-là, si tu veux. Oui. Je peux te la faire à la guitare, si tu veux. Attends. Ah bah alors, je mets tout le monde sur plutôt sur scène et j'avais tout le monde alors. Montaro, vous avez pas fait de représentation aussi, à Poé? Là, quoi? Vous avez pas fait de représentation, vous?
Non, mais là, je peux pas passer après. C'est... Regardez, je le fais bien, je suis ridicule. C'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est moi que j'ai bu l'alcool. Oui. Ça, alors, je peux la faire à la guitare. Bah. Ouais, c'est magnifique ça. Oh putain. J'adore cette chanson. Tu l'aimes bien ? Chez vous, HB va vous faire une chanson de bienvenue. Venez. Ah oui, oui, ah bah venez. Être le plus proche. Attends, attends. Hop, je vais. Il faut se mettre au premier rang de cachet. C'est moi le premier. Premier rang. Voilà, comme ça. Mais faut le nouveau aussi parce que c'est pour lui la chanson. Non, c'est pour moi là. Le traditionnel doigt levé. Ouais. Ah oui, d'accord. Direction de la chanteuse. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous êtes comme ça quoi. D'accord. Attendez. On vous montre pas du doigt, hein. Non. C'est pas poli. Non, c'est non. Le lever, c'est la tradition, c'est ça. Ok. Oui. Ah, je mets, ah, je mets, ah, je mets. Je parti. Mets le doigt devant, je mets le doigt derrière. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Ah, je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Wow. Je l'ai connue trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard dans son regard. On peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je peux mourir demain, ça ne change rien. J'ai reçu de ses mains le bonheur ancré en son âme. C'est même trop pour un seul homme. Et je l'ai vu partir sans rien dire. Fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie. D'avant l'ombre et l'indifférence. Allez, tout le monde. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. J'ai longtemps parcouru son corps effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or. Quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore. Elle fait partie de moi. Bravissimo. Vous étiez trop bien. Eh bravissimo. C'était trop cool. Ah, bon, on était un petit peu décalé à un moment donné. Mais... Ah ouais, ouais, c'est vrai que je l'avais fait un petit peu la dernière fois, mais j'avais plus de voix. Comment ça va, John? Attends, peut-être que je peux même... De quoi se porte? Oui, ça veut dire quelque chose. Ah ouais, ça veut dire Texas, bordel. Bois un petit peu d'eau en attendant, tiens. Ouais. Hop. Tiens, hop, c'est pour toi. Merci. Voilà. Bonsoir, JMT. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va bien ? Eh, bienvenue. Bienvenue. Ouais. Bienvenue. Le deuxième a été récupéré, c'est bon. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Et Jude, du coup ? Ah, bah merci, je viens de... Ah, bah voilà. Ok. C'est Swart. Enchanté. Et bonsoir. Enchanté. Bienvenue. Ah, ok, ok. Je te fais des bisous, HMT. Bisous. Don't make it bad.
Take a song, song, and make it better. Remember to let her into your heart when you can start to make it better. And you don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her into your skin, when you begin to make it better. And anytime you feel the pain, and you the refrain, don't carry the word on, burn your shoulder. For well, you know what is a fool who plays his cool by making this world a little colder. La 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 la. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart when you can start to make it better. Na 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 na. En fait avec moi. Na 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 na. Hey Jude. Bravo. Wouhou. Hey HM. C'était tout pour HM qui n'a plus de voix, comme tous les samedis soirs, à chaque fois qu'elle fait une fête improvisée avec ces personnes-là. Ne faites jamais de fête improvisée avec les médecins. Ouais. Merci. Je tenais à remercier notre partenaire de ce soir, les SAMS, bordel, ouais. Et merci à Monsieur Coquelin pour les 45 000 $ pour cette chanson, putain ouais. Nickel. T'as déjà que je prends même pas 5 000 quoi. Putain, arrête d'être fauché quand tu fais des concerts, bordel. Bon bah bienvenue en ville. Bravo pour la prestation. Merci. Ah oui, j'ai déjà fait un concert hier soir donc. Ah non mais c'est Emilio. Eh comment tu vas? Il même pas bonjour aux copains lui. Mais comment c'est, j'ai pas dit bonjour. Ben si, ouais. J'ai suivi votre parcours. Alors, premièrement, vous êtes allé aux EMS. Bah moi, j'ai rien dit. Vous avez je crois que c'est le moment où je fuis, c'est ça? Vous avez mal au. Attends. Je crois à la maison d'un médicament. Ensuite, oui. Vous êtes parti. Il y en a un d'entre vous qui a un problème de voiture. Et l'autre qui... Amandine? T'es sur le live? Je cancer. J'ai pas vu, je sais pas quand est-ce que t'as envoyé ce message, j'avais pas le live sur mais du coup je suppose que c'est toi, et si c'est toi mais je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous. J'espère que ça t'a plu d'entendre ma voix qu'on n'entend jamais dans la famille, mais que je chante devant des inconnus sur internet. Voilà. C'est terrible. C'est le calme après la tempête, j'imagine. Oui. Oui, oui. Ok. Et... je voulais juste vérifier que c'était que ça. Non, c'est juste que j'ai reçu un mail. Vous embêtez deux minutes ? J'ai reçu un mail de ma grande sœur. Oui. Oui. Dis donc, vous connaissez Ace ou pas ? Oui. Oui. C'est un ami. C'est les célibataires. C'est pour qui? Pour vous? Bah, si je demande. Non, bah, ça pourrait être pour quelqu'un d'autre. C'est pour. Mais c'est pour lui. Ça après. Écoutez. Monsieur Montero, vous avez eu un petit instant de. Il s'attendait pas.
Non. Alors, par contre, attendez, je vais juste me permettre de faire votre publicité parce que je suis quelqu'un de très commercial. Oui. Alors, donnez-moi 2 minutes. Oui. Hop, voilà. Voilà, vous regardez-moi. Oui, je pense que c'est pas mal, ouais, faites ça. Je me mets sur mon meilleur profil. De profil, comme ça, voilà, nickel. De profil. Nickel, le profil. Je vous regarde de profil. Je suis arrivé, comme ça. Oui. Les tatouages dans le dos, ça peut-être lui plaire. Écoutez, non, ouais, dans celui-là, je pense pas. Écoutez, je vais faire mon maximum. Je vous promets rien, mais je vous promets, sur l'honneur de motard que je suis, oui, de lui en parler, mais alors avec un grand sourire, mais vous y pouvez pas imaginer. Mais charmant comme ça, comme jamais je peux l'être, et que je vous apporterai une réponse de sa part. Ou même, je vais lui demander qu'il vienne vous donner sa réponse lui-même. Promis. Je reviens. Je vais vous faire une boîte de chocolat, mais je sais pas si ça lui a plu. Ah oui, donc je peux sauter quand même. Mm-hmm. Amandine, t'es encore là ou pas? Est-ce que t'es encore là? Dis-moi que t'es encore là. Avant de te laisser, c'est quoi cette histoire de mail de ta grande sœur? Rien, c'est priorité à tout. Non, c'est... T'es... Tu veux bien m'en parler? C'est juste que j'ai reçu un mot et je crois que c'est de ma grande sœur. Et voilà. Et j'ai pas beaucoup de nouvelles parce que, tu sais, je sais pas si je t'ai raconté, mais elle vit plus avec nous à Édimbourg. Et je la vois pas souvent. Et c'est un peu fâchée avec les parents. D'accord. Et du coup, bah voilà, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Et ça t'a ému, ce mot, j'imagine? Oui. C'est vrai? Oui. Ouais. Ah bah tu m'étonnes. Voilà. Mais ça va. Ça va. T'es sûr? Oui. Je vais monter là-haut et boire un coup, me détendre et j'arrive. Ok. Ouais, ok. Pas de soucis. Appelle-moi s'il y a quoi. Okay. Ouais. Alors désolé, si t'es là, Amandine, c'est un personnage. Hein. C'est pas moi, hein. C'est un personnage. J'ai inventé un truc. Ça va bien se passer. Et donc c'est un personnage hein, qui a une grande sœur en effet, mais j'utilise mon émotion. Ah terrible, on va dire. Des tomates. Je vous laisse la scène 2 secondes. Je vais aller boire parce que j'ai quand même soif. Quand même. Et j'arrive tout de suite. Je lève le coude. Voilà. Bah oui, mais le sport on a fait une bouteille. Je lève le bras derrière, je fais des tours. Ah merci. Putain, ça me rappelle les souvenirs de kermesse quand j'étais petit. Je mets le bras. Ah merci. Je mets le bras derrière. Ah, merci beaucoup. À la vôtre. Fais des tout petits tours. La bisouki, elle est partie. Trop de bordel dans les poches. Oui. Ouais, elle s'est envolée. Elle est partie rejoindre Jacobs. À la vôtre. Hop là. Elle sort pas avec Jacobs, si? Oh, il est pas mauvais, hein. Elle sort pas avec Jacobs. Je sais rien, je sais pas. C'est lui qui l'a ramené hier. Ah ouais. Ah oui, c'est parce qu'on l'a abandonné, je crois. Ouais. Ouais. Je sais pas, c'est Doyle qui a été abandonné. Comme moi, soit il est pas du pioche, je suis dégoûté. Axel fantôme. Il y a pas de fantôme. On est juste au bourré. Ouais, bah les bouteilles de rhum, je sais pas qui c'est qui me les met dans les poches, mais c'est cool. Je sais pas, mais il a voulu me donner. C'est un fantôme vachement cool, alors. Il tient à l'autre fois. Oui. Enfin... Mon dieu. Il participe à l'installation de la cirrhose. Non, c'est pas ça, c'est... Il pense qu'on a la foi. Et moi j'ai la foi. Exact. Voilà, j'aime bien ça, putain, ça c'est bon humour ça. Ça c'est qu'est-ce que j'aime. C'est comme la bière. C'est qui ma fille a ascendu, je peux arriver. C'est fantôme. Est-ce que vous savez, la pression, ça ne se subit pas, ça c'est bois. Oui, ça se boit bien sûr. Oui. Pression. Mais y a pas de bière. Ok. Pouf. Alors, je vais pas vous cacher que quand ils ont commencé tous à chanter avec moi, j'ai eu des frissons. Quand ils ont tous commencé à chanter la fin de...
de dernière danse. J'étais pas bien. J'étais en mode waouh. Il y a vraiment des gens qui chantent avec moi et tout. Ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché. C'était incroyable. D'ailleurs, je vais leur écrire un message. Oh la chance, c'est moi j'ai le droit avec tomate. Voilà, j'ai écrit sur le Discord. Je l'ai remercié. Mais c'est une carte, du coup. T'es quasiment sûr que j'avais 1000 balles et que j'ai vu que de la bière. Et que je suis qu'à la moitié. Ah oui. Ah oui. Incroyable. J'avais 1000 balles, il m'en reste 67 et j'ai bu de la bière. J'ai dépensé peut-être 3000 balles. Ah, 9, 9, 18 et 9, je sais plus. Ouais, je tiens carrément. Qui c'est qui me donne une bouteille de rhum? Tu vois, le fantôme. On s'en fout, faut pas savoir. Ouais. Ouais. Il est où, Mio? Bébé là, on a rien à foutre. Oui, ça fait mal une bouteille complète. Hein. Je sais pas. Mmh. Oh, il me donne jamais rien. Il est parti pour un truc. Il est devant? Ah ouais? Je sais pas. J'avais de rhum pour lui. Il est pas là? Vas-y, mon tao! Oh là là, je sais pas où il est. Oui, allô? Oui, tu es où? Complètement détruit. J'étais en train de parler avec les artistes dehors. Ah. Pas les artistes, avec les. Le staff? Avec les nouveaux là, ouais. Oui. Il est derrière? Il est en train de me bourrer la gueule, jeune homme là. Mais, oui. Il te bourre la gueule? Bah, je suis devant. Tu es où toi? Bah, j'arrive. J'arrive. On se rejoint. Oui, bah oui, du coup, oui. J'imagine que t'es en train d'avancer, oui, voilà. Oui, il est là. Il est là, il est là, tu vois, ça va? Dis donc, je suis au téléphone avec un beau gosse. Oh là là là, mais la meuf, je te dis même pas le canon que c'est, putain. Oh là là. Sacrée chanteuse. Ouais, magnifique. Il me tourne autour, là. Bah, j'ai essayé de l'attraper, moi, tu vas voir. Ah ouais? Bah ouais, carrément. Ah ouais? Mais de ouf. Putain, est-ce que tu es parti en cours? Mais non! Mais si! Tu veux que je te rattrape, c'est ça? Putain, terrible. J'ai un truc? Vas-y. Si tu m'attrapes, t'as un cadeau. Mais je peux pas, je suis en ITT, bordel! Putain, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu m'as attrapé. Quoi? Tu m'as attrapé. Bah oui, évidemment. On vous laisse tranquille. Oui, je vous donne bien. Comment ça, vous me laissez tranquille? Je sais pas, ils ont des interprétations. Ils sont bizarres, eux. Ouais, mais c'est des docteurs. Hein. Je dis pas non à rentrer. Bah, mince. Encore une fois, bah, là, il se fait un tout petit peu tard et surtout, on doit rentrer et je dois la ramener du coup. Et on vous fait des gros bisous. Nous, on va aller se coucher, on est fatigué, d'accord? Bah, bonne soirée à vous. Bonne soirée. On vous dit à demain. À demain. À demain. Promis. À demain. Je suis pas aussi intenable quand je suis au boulot. C'est faux, tu verras, ça va être affreux. Et moi, par contre. Je vais partir du principe où ce qui se passe au tequila reste au tequila. Oh oui, non, alors là, j'ai aucune honte. Hein. Oh là là. C'est les médecins qui ont honte. Hein. Nous, ça va. Alors, nous, c'est notre habitude. Contre, moi, au boulot et tous les jours, je suis pareil. Hein, t'inquiète, il n'y a pas de. Parce que c'est ouais. Pareil. Et normalement, tu vas le voir bientôt. Enfin, j'espère. Enfin, on verra. Oui. Je vous dis à très bientôt. Et de toute façon, on se voit la réunion. 21h, c'est ça, du coup? Oui, 21h. Ouais, et je t'ai envoyé le contrat. Tu pourras le signer là maintenant si tu veux. Ouais. Ok, ça marche. Prends le temps de le dire. Je te mets dans le train. Tu m'as glissé à 1$. On fait ça où demain? Je vous enverrai tous un point. Ouais. Enfin, un point, un GPS quoi. Ouais, enfin, je le comprends. Un point, un GPS. Les coordonnées. Oui, parce que point. Oui, enfin, oui. Bref, ok. Allez. Bonne soirée. Quoi?
Bonne soirée, mais... buenas noches. Merci. Mais... Je peux avoir autre chose qu'une tomate? Putain, c'est pas possible. Yaman, on va y aller, nous? Bah, y'a pas de problème. Je sais pas, moi. Un chat. On va se coucher, je vais te souhaiter bonne nuit. Je voudrais un chat. Je peux ramener un chat au motel. Ah, bah, merci pour l'invite, les gars. La prochaine fois, une musique de vous, hein? Oui, 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 je vais, promis, je chante la prochaine fois, oui. Allez, bonne soirée, faites attention à vous, continuez comme vous faites. Ouais, ouais, merci beaucoup, Yaman. Innocent child, and she's gone. Na, na, na. Alors, si tu veux pas qu'on ait d'accident, na, 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 na. T'es incontrôlable, j'adore. Innocent child, when she's gone, and the hours they are alone, and the time she goes away. And there is time and she is gone. Je connais même pas les paroles, c'est terrible. Na 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 na. And the sunshine and she's gone. And the hours they have to love. And the time she goes away. And I know. I know. J'ai plus de voix. Oh, bah même quand t'as plus de voix, c'est magnifique. Et ce petit anneau en tout doux comme ça là. Oh là là, magnifique. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus beau de conduire? Bah, c'est de conduire en t'entendant chanter, bordel. M'arrête. Je te jure. J'avais quasiment jamais expérimenté ça. Et, j'avoue, c'est pas déplaisant. Tu veux qu'on qu'on se pose sur la plage et qu'on discute un petit peu de ce qu'a dit ta famille? Ouais, on va discuter de ce qui s'est passé, peut-être, ou de quoi? Ouais, de ma famille, c'est ça? Oui. Bah, oui. Mm-hmm. J'avoue qu'hier, j'ai un peu abusé et je voulais... Ouais. Enfin, oh, waouh. Ok. Je peux pas sauter, par contre. Hein. Donc, je peux pas m'amuser à aller sur les rochers. Ouh. Non, mais... Oui, oui, oui. Non, non, non. Non. Prends ma main, s'il te plaît. Je vais prendre soin de toi, viens. Ouais. Allez, viens. Comme me faire tomber de ta moto. Bon. On peut se poser là, en vrai. J'ai fermé la moto. Ça marche. Bon. Dis-moi. Je dois faire, si j'ai bien... J'imagine que tu es un petit peu fatigué et au niveau de la condensation, je dois faire vite. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ok. Prends ton temps. Ok. Ok, alors juste un instant. Je réfléchis à comment je vais dire les choses et comment j'ai envie de les dire. Surtout. Ah, super, c'est rassurant. Mais tu sais, mon côté teasing est toujours incroyable. Toujours. Alors... Quand je tease les choses. Alors, bon. Du coup. On va commencer par un sujet. On va mettre la famille juste un petit peu vers la fin. Pendant que j'ai les idées en place. Okay. Je me souviens sur trois sujets, je me souviens de deux. C'est déjà pas mal avec l'alcool que j'avais bu. J'imagine. Parlais à Tamara tout à l'heure. Mm-hmm. Elle a voulu me parler d'un truc et moi je te cache rien, donc je te dis tout. D'accord. Oui. Je suis pas à la hauteur, c'est ça? Tu sais que tu redis ça, je te défonce. Alors je sais que ça va t'exciter, tu vas me le redire juste pour ça, mais s'il te plaît, le fais pas. C'est pas ça. Écoute ce que j'ai à te dire. Ça n'a rien à voir. C'est tout le contraire. En fait, elle dit « Je regretterai jamais de l'avoir mis avec moi à ce poste-là. Bien au contraire, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai confiance. Et je sais que ça va bien se passer. » Donc ça, c'est quelque chose que tu dois t'enlever de la tête. Ouais. Ce qu'elle a peur... Comme je pense que j'ai cru comprendre que c'était que ton quotidien aujourd'hui, les gens ont pas arrêté de te dire arrête, t'en fais trop. Oui. Ok.
ils sont venus me voir parce que je pense que toi et moi, quand on se parle, on s'écoute, ou peut-être on trouve les bons mots, ou peut-être quand on se dit tout, on sait que c'est vrai, ou je ne sais qu'est-ce. Le message qu'ils veulent faire passer, c'est que faut pas que tu confondes compétence et envie de comment on appelle ça, de les remercier de ça, de, tu vois, t'as pas à faire plus que tu dois le faire, tu leur dois rien en fait. Et ils ont l'impression, enfin elle a l'impression, je parlerai que pour elle, que elle t'a mis à ce poste et tu lui dois d'être encore plus que d'habitude. Et elle me dit mais non, qu'elle reste elle-même telle qu'elle, qu'elle fasse juste sa partie RH par exemple, et c'est, mais c'est à m'enlever un poids excellent. Mais par contre, la seule chose que moi j'ai pas envie, c'est qu'elle se crame. Et parce qu'elle a voulu trop en faire, parce qu'elle se sentit redevable. Et tous ces mots-là, elle ne veut pas, elle me dit, c'est pas le deal. Le deal, c'est pas ça. Enfin, si tu peux m'aider à lui enlever ça dans la tête, c'est je lui fais confiance et je veux qu'elle fasse juste ce qu'elle sait faire et ce pourquoi on lui dit de le faire. Et elle le fasse à son aise, à sa manière, ni plus ni moins, pas trop en faire. Et on veut tout ce que tu profites. Tu fais des choses bien et tu es largement à la hauteur. Mais tu es trop à la hauteur. En fait, c'est l'inverse. Tu es trop à la hauteur. Toi, tu dis là, oui, première chose que tu m'as dit, je suis pas à la hauteur. Tu vois le décalage. En fait, tu fais des choses bien, mais tu en fais trop. Et toi, tu te sens encore tout ça en négatif. Tu vois, genre en mode, je fais rien de bien. C'est pas bien ce que je fais. Et ça démontre juste le fait que la perception que tu as de ce que tu dois faire, elle n'est pas bonne. Et je pense qu'elle a raison dans le sens où tu te sens tellement redevable de la confiance qu'elle t'a donnée. Et je pense qu'il faut qu'on trouve, à partir de demain, tu te poses et que tu essayes un truc. C'est juste de faire ton taf, ni plus, ni moins. Tu laisseras, et ça, elle me l'a pas dit, ça reste mon avis, je vais maintenant me donner un peu mon avis. Je pense que ça donnera plus d'espace, d'expression à elle. Rappelle-toi que moi, j'ai discuté avec elle. Oui. Et elle a un problème de confiance aussi, comme toi. Et si tu lui fais tout, j'imagine, parce que tu m'as dit tout à l'heure que Mathias était un peu pareil, vous êtes deux mastodontes qui travaillaient comme ça, et bien on imagine un troisième dans notre duo, c'est pas possible, on fait tous les deux. Mm-hmm. Et bien c'est un peu la place de Tamara, du troisième avec nous. Ben nous on fait tout, parfois on fait tellement tout que parfois nos mots c'est les mêmes au même moment, parce qu'on fait les mêmes phrases, tu vois, alors que il faut lui laisser un espace d'expression, elle est patronne, elle se doit de gérer. Et entre toi et Mathias, je pense qu'elle n'a jamais dit ça, mais elle a pas cette plateforme d'expression. Donc moi, je pense que pour l'équilibre de tous, en fait, tu devrais juste faire ce que tu fais cool et tu lui enlèveras, elle m'enlèverait déjà une épine énorme du pied. La partie RH, c'est la plus dure au début, surtout au début, hein, quand il y a du monde à gérer et tout ça. Et je pense que tu dois en faire un tout petit peu moins parce que tu le fais très bien. Mais à force de le faire très bien, bah, peut-être qu'elle s'oublie, je pense. Elle ne me l'a pas dit, elle, cette partie-là, c'est moi. En fait, j'entends tout ce que tu dis et je suis entièrement d'accord avec toi. D'accord. La grosse problématique qu'il y a eu, c'est que tout a été trop vite et ni Mathias ni Tam n'a voulu se poser. Aucun des deux. Pour dire, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Donc, on a tous fait plein de choses. C'est pour ça que j'avais l'impression que j'avais pas de rôle à titrer. Parce qu'en fait, on avait tous à faire plein de choses. Et moi, jamais, Tam m'a dit, tu t'occupes des recrutements et il n'y a que toi qui s'occupe des recrutements. Parce que de un, j'aurais pas fait comme ça. Et de deux, voilà, on aurait recruté différemment, vu différemment les choses. Mais on n'a pas fait comme ça. On a dû gérer tout en même temps. Donc, j'entends ce que tu dis. Je vais rectifier le tir. Et je vais essayer de baisser le pas. Ça, je le comprends. Je dis pas que... voilà. Mais tout a été tellement vite tout le temps. C'était affreux ces deux jours. C'était affreux. Mais en même temps, c'était beau. Mais c'était affreux. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et je comprends ce qu'elle veut dire.
Je vais trouver ma place. Ça tombe bien parce que demain, je voulais bosser sur faire une feuille de formation pour tous les nouveaux. Comme le ferait une DRH. Et etc, etc. Mais tu vois, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on a pu avoir nos rôles. Mathias, la compta, moi, la gestion RH. Avant, on ne l'avait pas. Mmh. Et depuis jeudi, je vois plus rien. Depuis jeudi, je suis perdue. Je me suis excusée plusieurs fois auprès d'elle. Parce que je ne savais pas où était ma place. Mais en même temps, depuis jeudi, je ne respire pas. Tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais aujourd'hui on s'est un petit peu moins vu que les autres jours. Et j'ai vraiment voulu que tu te poses, que tu profites de ton nouveau travail et que tu te sentes bien là où t'es avec les gens, les connaissances. J'aime que tu apprennes à connaître du monde, que tu rigoles, que tu t'éclates, que tu crées ton monde élaboral, ta place, etc. Mais je pense que c'est pas quand je te parle de ça, c'est pas juste en train de te dire c'est ta faute, tu vois, genre en mode t'as mal réagi, etc. Elle a des qualités, mais elle a aussi des défauts. Et effectivement, un des trucs, c'est qu'elle réalise pas encore, je pense qu'elle est, elle a beaucoup de mal à réaliser qu'elle est patronne. Et elle a pas, je pense qu'elle a pas encore mis son véritable pied à l'étrier. Et je pense que ça s'est ressenti au tout début, lorsque elle a pas dit, ok, maintenant tout le monde m'écoute, voilà comment ça va se passer. Toi, je vais te nommer RH et ta fonction va être, tu vois, comme ça. Oui. Il n'y a pas eu ce dialogue, comme non. Tu l'as dit, de structuration non. De la boîte. Et après, chacun savait quoi faire. Il y a eu un affolement parce que déjà, le concept était de vous n'avez pas eu vraiment le temps de vous préparer. Non. Voici des clés, démerdez-vous. Et vous étiez en train de découvrir le fonctionnement de trucs. Et tout le monde a dit, bah, écoute, on va découvrir ensemble, tu vois. Et c'est un peu le cafouillis. Bon. C'est ça. Ça, je comprends. Et ça te libère d'une certaine culpabilité, c'est-à-dire que tu as juste voulu bien faire. Et maintenant, ce que je te conseille, parce qu'elle a peur et que voilà, c'est que maintenant que les choses sont un peu plus claires, oui. Bah, tu fais un travail magnifique, c'est de t'y cantonner, c'est tout. Voilà. Et tu le feras trop bien. Et c'est un travail de dingue, en fait. Tu te rends compte, tu es DRH dans une boîte énorme qui me fait tout de l'alcool de tout. Mais tu le fais bien. Regarde combien vous êtes maintenant. Là, vous êtes quoi 4, 5, 6. Je n'ai pas eu le temps de compter, mais vous êtes 6 employés. C'est énorme. On est 13. Combien t'as déjà recruté. Vous avez déjà recruté 13, mais c'est énorme. Tu ne te rends pas compte de travail. On attend que Lévi et toi, et après, on arrêtera les... Et le prospect. Et le prospect. Il bosse bien au moins, le prospect. Moi, tu sais que je peux te dire quasiment tout le monde. Par exemple, Larry que tu as recruté, là. En vrai, c'est un fantôme hein, chez nous là-haut. Ok. Devera. Mais parce que il était très 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 actif dans la rue, ouais. Alors okay. Après, ça dépend de chacun, mais s'il veut, il peut. Ouais. Et pour mes gars, Lévi, c'est un bon bosseur, un très bon bosseur. Prospect aussi, mais pas. Il n'a pas beaucoup de temps en journée, mais plutôt en soirée. Okay. Mais il faut, c'est, tous les motards feront le taf, c'est des mecs bien, quoi. Non, mais j'ai pas. On verra. Bon, je vais juste finir l'hier avec toi. Oui. On est d'accord qu'à partir de demain, il y a beaucoup de choses à faire et tu te cantonnes à faire. Et je veux que tu fasses ressentir à ces personnes-là que tu aimes bien leur espace pour qu'ils puissent travailler. Pas t'as fait, quoi. Est-ce que le message est dépassé? Oui. Le deuxième sujet. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais me raconter au niveau du travail? Parce qu'on a parlé de ça, mais est-ce que tu as eu d'autres événements à part le travail? Est-ce que ça s'est bien passé avec les, par exemple, les employés, les nouveaux, les gens qui sont arrivés? Dans la boîte. J'écris. Ah, ben... Oui, vas-y. Ah, il faut que je te raconte après un truc un peu drôle. Ok. Tu veux me le raconter maintenant si tu vas oublier? Ouais. J'ai échangé avec deux personnes aujourd'hui
Bon, c'était pas fou, mais c'était marrant les deux noms. Tu veux que je te les donne? Mathias et Emiliano. Par message. C'était compliqué, bordel. J'ai regardé mon portable et j'ai fait... Quand tu vois juste deux messages comme ça, que tu vois les deux trucs, tu prends un instant pour réfléchir à ta vie. Tu te dis, pourquoi? Alors, pourquoi t'as échangé avec Mathias? Pourquoi t'as échangé avec Emiliano? Alors, Mathias, c'était tout cool. C'était juste pour ce truc de jet ski, des formalités de trucs. Et Emiliano, attends. Par contre, Emiliano, c'était un peu sphérique. Attends. Emiliano, c'était... Ah oui, parce que du coup, j'ai deux référents pour les que je classique depuis le début pour le Los Santos Event. C'était Emiliano et 69. Donc, je leur envoyais les positions pour qu'ils puissent mettre en place la sécurisation, tu vois. Et je crois qu'Emiliano n'a pas pu venir hier. Et donc, du coup, il m'a dit je suis désolé, j'ai pas pu y aller, j'espère que ça s'est bien passé, etc. Tu vois. Et moi, j'ai dit pas de problème, nous avons passé un très bon moment, nous avons tenté de faire notre mieux pour que tout le monde, etc., etc. La police était bien sûr sur place et je lui dis, et même si ça me coûte de le dire, ils ont, entre guillemets, bien fait leur travail. J'ai vraiment pris sur moi, tu vois. Et là, il m'a dit pourquoi. Et il me dit ça vous coûtait pourquoi ça vous coûterait de le dire. J'ai dit putain, il veut rentrer en mode psy. J'ai fait réponse complexe, monsieur l'agent. Voilà. Donc c'était un petit peu drôle. Mais avoir les deux messages comme ça, ça m'a fait sourire. Et j'espère que ça te fait rire. Voilà. Ça me fait beaucoup rire. Voilà. Bon bah. Sache que j'ai vu Mignano aujourd'hui. D'accord. Pour lui évoquer notre couple. Ah oui, d'accord. Et ça s'est passé comme... Très bien, oui. Très bien. Ok. Lui évoquer que... qu'on allait avoir des difficultés pour se voir. Que... C'était dur. Et je lui ai dit que tu savais. Que je l'avais vu, etc. Il était très étonné. Qu'on se dise tout. Donc je lui ai dit que je te cachais rien. Et voilà, on a convenu qu'on... Voilà, on allait voir pour prendre les distances et voilà. C'est compliqué parce que on sait tous les deux, lui et moi, qu'on ne se parle vraiment ni de nos vies respectives et surtout pas de ton métier. Donc c'est compliqué pour nous parce qu'on voilà, il m'a demandé plusieurs fois si s'il était pas policier, ça changerait la donne. Et on est d'accord que s'il était pas policier, ça changerait la donne. Je pourrais toujours être amie avec lui, non? Bah oui, c'est le problème de d'être policier surtout, ouais. OK, bah je lui ai dit. Et il en fait ce qu'il veut. Je lui demande pas de changer. Je lui demande pas de changer son métier. Si ça lui plaît, ça lui plaît. Mais je lui ai dit. Je lui ai dit qu'on était ensemble et je lui ai dit que ça allait avoir des impacts. Voilà. Je voulais te le dire. Ça m'a coûté énormément, tu le sais. Parce que je perds un ami. C'est un sentiment étrange là que j'ai là. C'est... Qui me passe par la tête, c'est je kiffe notre honnêteté et qu'on se dise tout. C'est une force incroyable de notre couple. Mais ce qui est difficile, c'est je te pousse toujours à être toi-même, être libre et faire les choses. Et en fait, genre l'idée, c'est que tu puisses être libre. Et cette liberté, bah, des fois, par rapport à des choix, comme on a vu, a des conséquences. Mais au moins, tu peux choisir les conséquences. Tu te rappelles cette conversation? Tout à fait. Voilà. Et j'essaie de... Tu vois, là, quand j'ai écouté, ça m'a... J'ai pas envie de t'enlever rien, en fait. Rien, je t'aime tel que t'es, en fait. Et je sais que... C'est juste que... D'un côté, ça me fait mal, mais je suis réaliste. Et je me rends compte que c'est pas vouloir te faire du mal, c'est juste que les choses puissent être, tout simplement. Et comme je tiens vraiment à toi, ben, j'ai voulu être honnête.
T'inquiète pas, mais je le comprends et je te remercie. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et tu sais bien que je suis honnête avec toi. Mais voilà. Non, fallait quand même tu peux. Que je discute avec lui. Je pense que je n'arriverai pas à m'arrêter de au moins prendre de ses nouvelles par écrit. Parce que par exemple, aujourd'hui, il a eu un très très gros accident d'hélicoptère. Il a failli passer. J'en ai entendu parler, je crois. Ouais. Il a failli y passer. C'est la deuxième fois qu'il y a un accident d'hélicoptère. Et il avait besoin d'en parler, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas d'amis. Il n'a que des collègues. Il n'a que des conversations professionnelles. Il n'a personne pour lui dire que, par exemple, non, c'est pas de sa faute s'il a eu un accident d'hélico et que c'est pas un mauvais bougre. Il n'a personne pour lui dire tout ça. Mais qu'on soit d'accord, l'homme en question, je crois que même parmi les flics, c'est ceux qui sont dans le bon côté, entre guillemets, dans le sens qui font juste bien leur taf. Et lorsqu'on croise, on se dit, c'est pas la liste des enfoirés, quoi, tu vois. Mais c'est juste, c'est même pas lui, c'est juste l'insigne, en fait. Mais c'est ça que je veux dire. À ton avis, à la base. J'ai commencé à lui parler justement pour essayer de voir derrière l'insigne. Parce que moi aussi, je la déteste, cette insigne. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Enfin bref, voilà. Je referme la parenthèse. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je sais que ça te coûte. Et écoute, en tout cas, je suis toujours là pour toi et pour t'écouter, t'épauler, suivre, t'accompagner. Et il n'y a rien qui change. Et même dans cette partie-là... Je veux paradoxalement être la personne quand tu trouves ça dur de quelque chose te manque ou tu as envie de discuter, tu peux me parler d'Emiliano, de Mathias, de n'importe qui en fait, et de n'importe quoi. C'est là une promesse qu'on s'est faite. Oui. Et pareil pour moi, et ça c'est une transition du coup pour le deuxième sujet. Mm-hmm. Faut que je te parle de quelque chose d'important. Oui. Le club commence à me poser des questions, comme je te l'ai dit hier. Rappelle-toi, on parlait de tout et de rien, des choses qu'on devait faire, des nouveautés, un débrief pour ceux qui avaient raté des informations dans la rue. Mmh. Et quand soudain j'ai Jim qui, je peux te donner maintenant son grade, hein, il est vice-président. D'accord. C'est le numéro 2, celui que tu as chez toi là-bas. Oui. Et il se retourne et il me dit, donc si je comprends bien, bah, c'est ta régulière. Et là j'ai fait, de quoi? Je crois que j'ai dû juste citer ton nom, un truc comme ça. Et là, il me dit ça. Et là, je fais. Je crois que je réponds de mémoire un truc du style. J'aimerais bien. Enfin, oui, je peux pas mentir. C'est vrai que j'aimerais bien. Et donc, je suis honnête tout le temps, en fait, avec toi, avec mes frères. Et elle dit très bien. Et du coup, je lui dis, mais c'est pas que moi. C'est vous savez très bien qu'être régulière, c'est aussi elle. Donc il faut aussi et là les frères ont un peu interrompu en me disant chacun a apporté leur moulin leur pièce à leur moulin en disant oui mais il connaît pas très bien le monde, faut que tu lui apprennes, faut que tu lui en parles. Alors ils ont bien précisé petit à petit, c'est pas voilà, c'est juste que s'ils m'ont fait comprendre un truc qui m'a beaucoup touché. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça maintenant et je trouve ça vraiment cool aussi d'un côté, c'est que en fait, ils aiment la personne et ils ont parlé d'un truc de confiance. Et je crois que c'est qui ouais. Et Miles a dit, tu vois, je la connais pas depuis longtemps. Il a dit un truc du style hier. Non, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je la connais depuis 2 jours, mais en tout cas, c'est 2 jours. Oh oui, c'est ça. Entre le fait qu'il s'est occupé de toi et j'imagine le lendemain avec le boulot ou que tu l'as embauché, il a pu te voir. Elle m'a dit, je sais que c'est une personne que tu peux avoir confiance. Et moi, je te conseille de t'accrocher. Tu n'as pas intérêt à la laisser partir. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai pas trouvé un autre mot que les remercier en leur disant que leur avis était important, que de ouf, en fait. Oui. Et pour moi, c'est comme une famille. C'est comme si je te présentais... Enfin, l'image, c'est comme si je te présentais un peu à mes parents. Bah, c'est pas vraiment ça. Oui, ou mes frères, peut-être. Oui. Et c'est ça. Et les gars, ils te disent, elle est trop cool. Tu imagines le kiff? Oui. Voilà. Sauf que ça, c'est le côté bisounours. Sauf que le côté un peu plus compliqué, c'est qu'il faut que je te parle un petit peu de notre famille. Okay. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on va y aller progressivement. Mm-hmm. Mais en gros, tu es pas bête. Tu sais ce que, vu qu'on se cache rien, tu sais ce que moi je fais. Je t'ai un peu tout expliqué. Qu'est-ce que tu fais? Que tu...
je lis en toi, ça se va comme métier. Non, ce que je fais, c'est des choses pas forcément bien ou correctes ou légales. Le terme est légal. Quoi ? Tu fais des choses illégales, Emilio. Pourquoi j'ai... Attends, pendant une seconde, j'ai fait ma HM et j'ai failli prendre ça à premier degré. J'ai une montée de pression. Je redeviens des millions. Deuxième, quatrième, vingtième, soixantième. Emilio, bon. Quand tu étais amnésique, tu m'as passé de la weed et de l'argent qui était clairement pas de l'argent que je pouvais donner à la banque. Oui. Alors, en même temps, ce qui me rassure, c'est que si tu es tombée amoureuse d'un mec comme moi, c'est que tu m'aimes tel que je suis et je pense pas t'avoir menti sur mon côté biker dès le début, je pense. Je crois qu'on a parlé même, Ah, Chupa Chups, tu te rappelles Chupa Chups. Ah oui, tu vends des Chupa Chups. Voilà, je suis un vendeur de Chupa Chups. Voilà, et très très vite, t'as compris que les Chupa Chups, c'était pas exactement ce que je vendais. Donc, en même temps, t'as quand même balancé que tu allais vendre des Chupa Chups devant une école. Alors, excuse-moi, il n'y a pas plus cringe comme attitude. Je me suis dit que tu faisais sûrement autre chose que ça, tu vois. Oui, mais c'était peut-être aussi pour faire des appels de phare. Voilà. J'étais peut-être déjà en essayant de te montrer qui j'étais pour que tu puisses me juger tel quel. Bref. Et du coup, un truc important, c'est que. Bah, ce que je t'ai dit là, tu l'appliques à ma famille entièrement. Ouais. Que c'est très hiérarchisé. C'est-à-dire que le papa de famille, on peut l'appeler comme ça, c'est vraiment l'image paternelle, c'est Ben. Ah bah, je l'ai bien senti au téléphone, oui. C'est... Je te jure, j'avais l'impression que j'avais ramené son fils qui était perdu. Oui, c'était très étrange comme alors, conversation. Par exemple, tu sais que j'aime beaucoup la bagarre. Mais par exemple, je vais pas faire la même chose. Par exemple, si le presbytère me met une tatane, c'est un peu que je le prends plus que papa qui me dit t'as fait une bêtise. Ouais, et du coup, je le rends pas. Dans la rue, quelqu'un me tape, je le défonce. Maintenant, le truc c'est que j'ai aussi les frères dans la famille. Ouais. C'est des petits frères. Moi, je suis plutôt un grand frère pour beaucoup. Tu t'en rendras compte. Avec Archie, Lévi, Célène qui est aussi comme une petite sœur. Et j'ai également, d'ailleurs, juste pour information, j'ai mis Célène dans ma liste de personnes proches également. Parce que c'est une personne à qui j'ai pu compter beaucoup en mon arrivée de Lille, notamment dans mon intégration avec le groupe. C'est super. Elle est toujours de bonne humeur et tout, donc c'est vraiment cool et ça me permet de rester un peu moi aussi. C'est pour ça que ma sœur, elle est importante pour moi. Et y a mon cousin, mon vrai cousin familial. J'ai toujours pas rencontré lui, d'ailleurs. Oui, il risque de te voir, il va te sauter dessus. Alors, il va falloir que je te dise que si jamais tu es OK, que tu es ma régulière, c'est la seule chose qui va l'empêcher de te sauter dessus, je crois. C'est un très gros coureur de jeux pour international. Et sa spécialité, c'est le Wenchun White Knight. Voilà, c'est oui, rien à foutre. Tu m'avais raconté. Ouais, avec une réputation qui s'ensuit. Et d'ailleurs, je te raconterai un truc qui s'est passé avec lui. Il s'est fait embarquer pour avoir tabassé un flic. Ouais, super. Ah oui, d'accord. Et parce qu'il s'est fait taser. Bon, bref, il est un peu violent. Un peu, voilà, bref. Et donc, du coup, et t'as, dans chaque personne, chaque frère a un rôle. Et ce rôle, si tu le décryptes qu'on conduit, en moto, on le comprend. Donc, à la tête, c'est le papa, tu as les deux oncles qui sont un peu devant, c'est-à-dire un oncle plutôt, c'est le vice-président. Après, tu as le trésorier et tu as le rôle de capitaine. Et en fait, le trésorier, le rôle de capitaine et tu as le secrétaire. Moi, je t'ai déjà dit que j'étais ce qu'on appelle le secrétaire, la personne qui se tourne vers l'extérieur du club, qui cherche des affaires, ce genre de choses. Et puis après, voilà, on a tous des rôles que tu verras en temps et en heure. Mais ce que tu veux comprendre, c'est qu'il y a aussi un peu, c'est un peu comme, comment je pourrais le dire, des mamans ou des sœurs aussi, qui tournent autour de ça. Okay. Et c'est ce qu'on appelle des régulières. C'est-à-dire que par exemple, Tu m'aimes, je t'aime, ça c'est clair, je pense, aujourd'hui. Oui. Je t'aime. Excuse-moi, j'étais un peu dans mon émotion. Tu m'entends bien ?
D'accord. Et il y a voilà, tu entre toi et moi, voilà, on sait ce qu'on ressent aujourd'hui. Maintenant, il y a la relation que aussi tu vas avoir avec eux. Mmh. Ils vont te considérer comme une des leurs en réalité. C'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu t'es blessé. J'ai demandé la permission clairement hein, en pleine réunion de dire j'ai juste dit tu veux être honnête, j'ai dit ah je suis blessé, j'ai juste dit ça, c'était machinal hein. J'ai interrompu le président. Oui. Le président il a dit au début il m'a envoyé chier, il m'a dit t'attendras que la réunion se fasse. Mm-hmm. Et là je me dis merde putain, je venais juste de te dire go et tout ça, je dis oui j'ai pas, je pensais qu'on allait dire oui tu vois vas-y. Et là, j'ai dit putain, mais dans ma tête, je me disais, mais il est super dur là, le président. J'ai la personne que j'aime qui s'est blessée, je sais pas trop ce qu'elle a, j'ai pas trop d'infos. Et j'ai gardé une colère en moi. Et quand soudain, il a dit, bon, j'abrège la réunion, il faut faire ça, 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 ça. On va tous maintenant prendre nos véhicules et on va tous aller voir comment va H. Et là, j'ai fait, what? J'ai fait quoi? Et là, à ce moment-là, j'ai senti un truc incroyable, que ça vienne du prez. Oui. D'accord. Oui. J'aurais jamais pensé, je te jure. Mais non, mais moi, c'est-à-dire moi, je suis dans l'intérieur, je vis ça. J'ai failli avoir une. Enfin, en tant que moteur, ça se dit pas, mais j'ai failli avoir une larme couler sur mon visage, tellement que c'était tellement intense, fort. Et on a roulé, comme si on roulait pour une mission de rhume. Là, comme si on roulait pour rejoindre l'un d'entre nous. Et quand on est arrivé. Non, j'ai failli courir pour voir, mais j'ai vu comment ils se sont garés les motards. Ils se sont garés près de toi, dans l'ordre président machin. Et c'est le presse qui va directement te voir. Bon, à sa façon, à la mode rock and roll. Voilà. Je l'ai vu arriver vers moi, j'ai tout de suite. Ouais. Et ils étaient vraiment inquiets. Et ça, dans l'imagerie motard, ça veut dire beaucoup. Et c'est pour ça que je dois te parler maintenant de la régulière. Si tu acceptes de vouloir être une régulière, c'est accepter tout ce monde. Et c'est pas comme une famille où bah, nous on peut être amoureux et on s'en balèque de ta mère, ma mère, mon père, mon frère. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est comme si on vivait tous ensemble. Okay. C'est j'y vais ou tu iras, comme tu disais, mais en incluant. Et on ira aussi où ça nous amènera. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Alors, je peux comprendre que ça engage certaines choses. Ça peut faire flipper parce que, ben oui, c'est des gros malandrins. Et je ne te cacherai pas que le plan qu'on a, nous, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est grosso modo, ça ne va pas aller en s'en améliorant. Et on veut juste être sûr, on a confiance en toi, il te kiffe. Mais on a besoin de savoir, entre guillemets, ce que toi, si tu as peur, tu n'as pas envie, si tu veux, voilà, parce que ça va être progressif. Au début, tu seras au courant de rien. Le presse va petit à petit te faire des signaux du style, tu veux rouler avec nous, par exemple, un des premiers, est-ce que tu veux telle chose et ça engage, parce que tout ce que tu apprendras, il y a des règles pour la régulière. Des règles qui stipulent par exemple que bah, si tu as un problème en dehors, par exemple quelqu'un te cherche des noises pour te frapper par exemple, bah tu y a le club pour qui tu es une des nôtres en fait. Ouais. Et si on touche à quelqu'un d'entre nous, il touche à tout le monde. Okay. Et ça c'est important. Il faut l'accepter. Il y a le fait que si tu apprends des choses sur nous, sur notre activité, tu le gardes pour toi et pour personne d'autre. Tu te fais torturer, il faut que tu le gardes parce que derrière c'est t'as parlé. Okay. Si jamais tu nous crées des problèmes ou tu nous montes les uns contre les autres, par exemple, Emilio, quitte le moto, viens vivre avec moi dans une maison dorée, voilà. Ça, clairement, c'est pas bon. Tu crois vraiment que ça je... Non, mais je te cite ce qu'il y a parce que je te fais pas trop proche. Je te dis juste parce que je suis inquiet, parce qu'il y a beaucoup de règles en fait. Et ces règles-là sont importantes parce que ça engage. Alors, il y a un côté flippant. Oui, Lucius fait très, 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 très peur. Et oui, il y en a d'autres qui font très, 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 très peur. Ils sont peut-être violents, mais ils te feront jamais de mal à toi si tu deviens ma régulière. Et c'est vraiment comme des. Il faut que tu les vois. Alors, tu les verras beaucoup. Ils te verront beaucoup comme une grande sœur en fait. Ok.
Et alors, la régulière, toutes les régulières se comportent pas pareil. Ça, il faut que tu le saches. Mmh. T'as des régulières un peu timidounettes qui feront là, et t'auras les grandes sœurs. Et t'auras les petites sœurs, etc. Moi, je suis un peu un grand frère avec tout le monde. Et ils te verront souvent comme la grande sœur, je pense aussi. Okay. Donc, voilà, je tenais à être honnête. Et je voulais avoir ton avis parce que si vraiment t'as peur de ce monde-là, t'as peur de eux, t'as pas envie de les avoir comme famille, et ce que ça peut représenter comme engagement, les secrets, de rien dire, de si jamais Ben il te dit de faire un truc, de comprendre que c'est comme un ordre un peu de lui. Mais sachant qu'il il t'apposera, enfin, théoriquement, on a des gens avec des mêmes valeurs que moi, et il respectera ta vie privée, et surtout, s'il te fait un ordre, c'est qu'il y a généralement une raison de le faire. C'est pas un mec qui va s'amuser à te priver de ta liberté alors qu'on est motard. Voilà, je t'ai tout dit et de ce que je peux dire, je pense être une première grosse approche, mais j'ai besoin de savoir que t'as pas pris peur à cause de ça, à cause de ce monde, et que si tu veux continuer à être avec moi, c'est ça qui, c'est un monde qu'il faudra malheureusement accepter. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, et si tu as des questions, je suis là pour y répondre. Tu crois que je l'ai pas déjà accepté, ton monde ? En vrai, ce que je crois n'a rien à voir là-dedans. Moi, je te réponds vite fait, oui, carrément, et je te kiffe tellement. Voilà, c'est répondu. Pour comment tu mets, je me sens moi, et avec, je vais dire une chose, avec personne d'autre, et j'en ai connu des meufs dans ma vie, je me sens aussi moi que moi. Tu t'aimes ma brutalité, t'aimes ma spontanéité, t'aimes des fois quand je commence à parler peut-être beaucoup trop, et t'aimes tout, j'ai l'impression, chez moi, et ça me rend dingue, et je kiffe. Maintenant, le truc, c'est que j'ai besoin que tout prenne une décision qui vienne de toi par rapport à tout ce que je viens de te dire. C'est ça, en fait. Pas ce que moi, je pense, tu vois. Parce que moi, je pense que du bien de toi. Mais l'idée, là, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que mon monde te fait pas peur ? Est-ce que tu es prête à ça pour nous ? Et j'ai besoin de te l'entendre dire. Parce que je vais rendre des comptes, ils vont me poser la question. Est-ce que Ben a besoin de savoir si, par exemple, c'est OK plus pour aller de faire un move comme il l'a fait, ou il faut t'écarter totalement de notre vie parce que tu le veux. Donc il y a un côté respect avec, encore une fois, liberté, mais conséquences. Et c'est pour ça que je te pose, je t'explique tout ça pour avoir ton avis. Quand j'ai eu Ben au téléphone tout à l'heure, je lui ai dit que je savais pas si c'était à moi de faire tout ce que j'ai fait pour te sortir de ton amnésie. Je lui dis que je savais pas si c'était ma place. Et je l'ai vu qu'il avait tiqué. En mode, quoi ? Comment ça c'est pas ta place ? T'as même eu You, c'est ta place, c'était ça, quoi. Et je sais pas, ça m'a comme certifié quelque chose. Que c'était OK. J'en ai rien à faire de ce que tu fais dans la vie. J'en ai rien à faire que ce soit illégal. Je dis pas que j'accepte tout. Je t'ai déjà dit, j'aime pas qu'on fasse du mal aux innocents. Mais on va dire, je pense pas que ce soit ton quotidien non plus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a d'autres. On ne fait pas de mal aux innocents. Voilà. On est des motards. On a des valeurs. C'est déjà des valeurs plus supplémentaires à la police. Il y a un moment donné où je tue une évidence. Il y a un moment donné où je peux juste pas. Comment dire ? Me mentir. J'ai envie d'être près de toi, j'ai envie d'être avec toi. S'il faut faire absolument poser des mots,
On peut poser des mots dessus. J'ai pas dit que ça serait facile. Je dois sacrifier une personne pour ça. Mais je sens que je peux gagner des frères. Et je te remercie déjà de me les avoir présentés. Parce que je suis déjà curieusement attachée à certains d'entre eux. Sans même que toi tu aies interféré. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben ça, c'est clair, je vois ce que je veux dire. Il y a tout qui m'échappe côté frère et toi. C'est absolument incroyable, dingue, je suis perdu, oui, je vois. Je pense à Miles, par exemple. À Pierre. À Lévi. Les trois m'ont marqué et j'ai eu des moments privilégiés, on va dire. Intéressants. Qui me donne envie de les protéger. Archie, par exemple, quand tu m'as demandé de le surveiller, j'ai essayé de prendre mon rôle à cœur. Parce que je savais que ça t'importait. Mais il y avait aussi une partie de moi qui me disait je l'aime bien, ce motard. J'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Donc je voulais garder un œil sur lui. Donc, s'il faut poser des mots, s'il faut abandonner des choses, s'il faut prouver, je le ferai. Et je serai ta régulière. J'ai un frisson qui vient de parcourir tout mon corps. Comme une décharge électrique. C'est juste pour que tu saches l'effet que tu me fais. C'est intense. Notre relation est incroyable, moment intense. Je tiens énormément à toi et à ta liberté. Alors oui, des fois je peux être collant, des fois je peux être disparaître, des fois je peux être doux, des fois je peux être violent. Je sais que c'est pas très linéaire. Mais au moins, j'espère que tu t'ennuieras pas. Mais c'est tout ce que je suis pas, alors. Ouais, ça me fait vraiment plaisir parce que bah, je peux vraiment me sentir moi et ça, c'est vraiment cool. Et c'est pour ça que je prends autant de temps, autant de temps aussi à apprécier ta compagnie. C'est parce que bah, t'es aussi. Ah si, mon moment de bonheur dans ce monde de motards, tu vois. C'est avec toi aussi je peux parler. Et j'ai confiance. Alors je sais, je parle pas beaucoup de moi, je parle pas beaucoup de mon passé, je parle pas, je suis pas quelqu'un de... Je suis plutôt quelqu'un qui vit sa vie présente, qui est fou, qui aime délirer, qui aime... J'ai appris... Un peu, oui, on peut dire ça, oui. Moi, j'ai plutôt une tornade et des fois, je fais pas attention à mes conséquences, mais j'ai commencé à voir un truc chez nous, c'est que je pense qu'on a un truc naturel, c'est qu'on a envie d'aider les gens. Oui. On a envie de les rendre... J'ai remarqué, dès qu'on voit un truc, on essaie directement bah, d'apporter notre grain de sel pour les faire sourire, les aider. C'est en fait ce que je fais avec l'association, en réalité. Ouais. Et quand je croise les gens, là, quand j'ai vu les nouveaux qui sont arrivés en ville, je leur ai donné à boire, à manger, je leur ai parlé des autres boîtes. Mais c'est vraiment pour les aider. Et je retrouve ça aussi chez toi, de vouloir, limite, vouloir aider tout le monde. Mmh. Et ça, je voulais que tu saches, c'est, même si je suis à Mota et que des fois, on fait des trucs égoïstement, bah, j'ai ça aussi en moi. Et c'est avec toi que je vis ça, cette passion aussi d'aider les gens. Je te rejoins là-dessus, oui. Et en plus, je rajouterais virgule, je trouve qu'on le fait vachement bien en plus. Je trouve on est une sacrée équipe, mais plus on va commencer à se connaître, plus on va aussi se préserver l'autre. Peut-être de nos folies, peut-être des excès, peut-être des trucs. Et là, par exemple, moi, j'essaie de te préserver de ton excès d'énergie que tu peux avoir, qui peut, bah, comme notre première conversation avec Tamara, lui empêcher d'être patronne ou encore... te fatiguer ouais. De trop.
Et tu sais que quand tu chantais, je commençais à me dire bah, peut-être qu'elle va être fatiguée là, à faire après une journée de travail intense. Et c'est bien de prendre le temps de se poser, de réfléchir, de les moments de silence. Quand tu es parti dehors, je savais tout de suite que tu avais besoin aussi de. Et là, quand tu m'as annoncé pour ta sœur, c'est juste incroyable. Eh bien, écoute, ça tombe bien que tu aimes porter du cuir parce que, en tant que régulière, on te demandera souvent de porter un cuir en réalité. C'est vrai? Oui. Et alors, il faut que je me renseigne, mais je crois même que tu as peut-être même un cuir spécifique. C'est vrai? Ouais, tout à l'heure, tu rigolais dans le. Dans le miroir en disant que les cuirs sont un peu bien mais il n'y a pas vraiment de trucs cool. Ouais. Bah peut-être que un jour et voire très prochainement bah, cette chose là changera. On verra bien alors. Exactement. Ça m'a fait du bien de discuter avec toi. Je te remercie vraiment. C'était important. Très important. La réponse, je la partagerai au club dès demain. Okay. Et les choses, par contre, même si on a la réponse, ça viendra des motards. Hein. Mm-hmm. Ça viendra pas ni de moi ni de toi. C'est les motards qui, maintenant qu'ils savent, commenceront, je pense, chacun à te considérer petit à petit, à voir comment et en fait. Tu devras créer tes interactions par toi-même avec chacun, mais en te disant je suis un peu leur grande sœur en fait. Oui, je vois. Voilà. C'est un petit peu différent de juste connaître des gens. Et si un d'entre nous a un problème, moi j'attends de ma régulière qu'elle soit comme moi. C'est de l'aider. C'est exactement ça. Avec cette voix, oui, c'est mon problème. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, c'est cool. Quand j'ai vu que c'était Ben au téléphone, quand je l'ai allumé, j'ai eu peur. Merde, pourquoi? Je me suis dit que j'avais sûrement fait une connerie pour qu'il m'appelle lui. Et que il allait peut-être me convoquer ou quelque chose comme ça. Que j'allais peut-être passer un sale quart d'heure. J'ai eu peur. Alors, je vais donner un conseil, ça peut arriver, il est très très exigeant, très 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 lunatique, il est très peu patient, et il a un caractère de chien, donc ça peut arriver à n'importe quel moment. Ouais, le meilleur conseil que je peux arriver, c'est d'écouter, parce que quand il te dit quelque chose, il y a une arrière-pensée qui est toujours la bonne. C'est un très bon président, et il sait bien nous mener, il sait où il va, et il nous apporte à chacun... ce qu'on a besoin pour s'endurcir, pour vivre de la manière comme nous on vit. Et donc, écoute-le, essaie d'écouter ce qu'il dit en termes de leçons de vie. Mais il est juste, comme je t'ai dit, il viendra pas juste pour écraser sa présidence sur ta gueule. C'est pas le genre, on n'est pas comme ça. Mmh. Voilà, donc s'il vient de dire un truc, écoute-le, et c'est peut-être une erreur. On fera des erreurs, hein, on n'est pas parfait. Mais au moins. Ils auront l'honnêteté de venir te dire toujours les choses en face. Oui. Okay. Je vois. Je voudrais bien dormir avec toi cette nuit, mais j'ai pas de moto ni de voiture dans le nord. Tu veux bien quoi? J'ai pas entendu, t'as une voix toute basse là, tout à coup. Je disais que je voudrais bien dormir avec toi cette nuit, mais j'ai pas de voiture dans le nord. Elles sont toutes les deux à des séries. Et tu veux pas qu'on aille prendre la voiture? Je peux pas. Genre... conduire. Il faudrait que je reste dans le sud. Et qu'est-ce que t'en penses si on va chercher un endroit où s'endormir? On peut. Je paye l'hôtel, si tu veux. Oui, ça me va. Et j'ai un truc à te proposer. Je vais t'envoyer une petite photo.
Donne-moi deux minutes, hein. Je vais te l'envoyer. Tout va bien? Ouais. Juste encore 10 secondes et je te l'envoie. Ça a même tout petit peu de temps à télécharger. Je te l'envoie. J'essaie de te l'envoyer. Tac. Ah. Essaye de voir si tu peux regarder avec ça. Tu la vois? Oui, je la vois. Et je veux savoir si tu étais d'accord. Hein. Si jamais les apparts sortent, je vais te proposer si jamais ça te dirait de qu'on prenne un endroit en commun pour s'endormir ensemble. Mmh. Avoir un endroit un peu à nous. Si t'es d'accord. Laisse-moi réfléchir sur ça. Ça marche. C'est pas que je veux pas, c'est que... Je sais ce que c'est le quotidien d'un couple qui vit ensemble. C'est-à-dire ? J'en ai pas une très bonne image. Et au-delà de sentiments qui m'ont pété un peu à la gueule pour toi, c'est un petit peu ce qui m'a fait fuir aussi avec Mathias, tu vois. Bah, en vrai, je comprends l'idée de ton projet, mais si je peux juste me permettre de... C'est juste un endroit que j'ai envie de nous proposer pour crêcher, tu sais, à 90% du temps, je suis toujours dehors, moi. Je sais. Et... Je trouvais ça sympa. J'ai pas dit non. Ok. C'est juste que je voulais te faire comprendre que même dans cette proposition-là, c'est juste un côté cool et pas un côté cage dorée type Mathias, tu vois. Oui, je sais. Tu n'as rien à voir avec Mathias. Non, non, mais je tenais à te faire comprendre que c'était, ça aurait été cool de se trouver un endroit cool à nous. J'y réfléchirai, d'accord. Ouais. Ça marche. Bah, du coup, on va trouver ce petit hôtel ou tu as d'autres questions par rapport à trouver une cellule? Je veux bien aller me coucher. Vamos. Bien. Un hôtel peut-être pas très loin de l'hôpital? Ouais. S'il te plaît. Ça marche.
Parce que bon, vu que tous les médecins de Lille sont complètement bourrés ce soir, c'est pas ce soir que je vais me faire opérer. Enfin, vérifier avec l'IRM. C'est quand même cocasse, hein. On va à l'hôpital, on trouve aucun médecin. On va à une soirée, il y en a 6. Ils sont là-bas en train de se bourrer. Non, mais t'as vu, après, ils ont le droit, hein, qu'on soit d'accord. On en parle aux moralisateurs de merde là qui nous font des trucs que tu peux pas te battre. Non, monsieur Montero, mademoiselle McLennan, voilà. Faites que de vous battre. C'est clair, c'est des sados. C'est pas comme ça que vous devriez la lui plaire. Sincèrement. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent la gueule. Il s'est jeté littéralement sur le. On est d'accord. En se fracassant quasiment la nuque, quoi. C'est, tu vois. C'est quand même. Et peut-être qu'ils voient tellement d'horreur que du coup, ça les stimule. Non, mais moi, je pense que c'est quasiment de l'inconscience. C'est-à-dire qu'ils boivent aussi, tellement d'alcool que le lendemain, ils se réveillent et ils pensent qu'ils n'ont rien fait, quoi. Oui, ça, c'est possible aussi, ouais. T'as super bien chanté au tequila là. Merci. J'aime beaucoup cette salle. Je m'y sens bien. C'est marrant, je me mets toujours face à toi, toujours le doigt levé au ciel. Et là, il y a tout le monde qui a fait ça. Tout le monde a chanté en même temps que toi, c'est trop bien. Je t'assure que quand j'ai. Tout le monde a commencé à chanter. J'ai cru que j'allais m'effondrer. Tellement c'était touchant. Tellement c'était incroyable. Soit celui-là, soit celui derrière. Ouais. Celui derrière est plus joli, je crois. Tu veux que quoi? Tu me déposes, je prends une chambre et puis tu me rejoins. Attends, non, je vais aller dormir aussi, il est quand même tard. Non, mais c'est pas ça, c'est pour déposer ta moto. Attends, bouge pas, je vais juste vérifier un truc. Ok, on va faire ça. On va faire ça. Hop. Oh oui, mauvaise idée, oui, pardon. Oui. Doux. Je suis désolé. Oui, j'ai fait une erreur. Pas de soucis, oui. j'ai rien dit. Oui, mais c'est hors, faut rigoler. Wow, c'est bien. C'est incroyable cet endroit. Ouais, c'est ce que je voulais te faire montrer. Oui. Je sais. Ah, mais on n'était pas là. Ah non, c'est non, pas là. C'est, oh, un, non. C'est un autre endroit. Oh, incroyable. Il est super. Tu aimes bien? Oui, j'aime beaucoup. Faut que tu saches que l'aigle représente aussi quelque chose pour nous. C'est vrai. Tu vas comprendre quelque chose de important. Oui. Sur mon dos. Mais j'ai vu. Voilà. Ah oui, alors oui, on va dormir là. Très bien. Oui, pardon, je sais. Bonjour. Ah bah très bien. C'est magnifique. Nickel. Madame. Attends. Je voudrais te remercier pour cette vraiment super journée avec toi. J'ai encore l'impression de nous partager des moments vraiment incroyables, intenses, forts. Et tu sais, je sais que cette phrase, je te l'ai dit tous les soirs parce que c'est vrai qu'on le revit, que c'est vrai que c'est intense, et que ça change pas. Mais aujourd'hui, il y a un truc important, c'est tu as vraiment intégré pour la première fois ma famille. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est vraiment... J'aime vraiment beaucoup. Moi aussi, ça m'a touché quand même. Je vais pas te mentir que ça m'a marqué. Et j'ai quelque chose que j'ai voulu faire toute la journée. Et avant que je te rejoigne, je dois vraiment évidemment t'embrasser à nouveau.
Bonne nuit à toi. Bonne nuit. J'arrive. À tout de suite. Allez, pour les dernières personnes qui sont restées sur le live à cette heure-là, merci déjà. Et je vous souhaite une douce nuit. On va aller tous se reposer. Hein. Et j'espère que le live vous a plu, que l'histoire vous a plu. Achmet avance. Hein. Achmet rentre petit à petit dans une famille et elle apprend aussi de ses erreurs et de plein de choses dans la vie, donc c'est touchant comme journée pour Achmet. Hop, j'écris un dernier SMS. Le reste, on verra demain, c'est pas urgent. Ok. Et voilà. Et ben, je vous souhaite une douce nuit. Je vous dis à très vite. À mon avis, je vais live demain, c'est fort possible. Et voilà. Et je vous souhaite une douce nuit. Soyez doux. Des bisous.